Bonjour à tous. Écoutez, merci pour cette invitation, euh, l'occasion que vous nous donnez de présenter nos résultats à un une communauté aussi un petit peu différente. Ça, c'est toujours en général très intéressant. Alors, je vais partager. Alors, je n'ai pas l'accès la, au partage d'écran. Donc, j'en profite pour me présenter. Donc, rapidement, je suis chargé de recherche à l'IRD. Euh, L'IRD, c'est l'Institut de recherche pour le développement durable. C'est l'institut qui est, en fait est né de l'ExorStom, pour ceux qui connaissent, et qui s'occupe essentiellement des questions de développement durable et d'implantation dans la ceinture tropicale. Et en France, nous avons quatre délégations et on, on est effectivement tous répartis dans des UMR où on travaille sur les différents thèmes. Donc je vais réessayer. Ah oui, c'est bon. Est-ce que si je mets ça, c'est bon? Parfait. Oui. Voilà, donc euh, alors, avant de vous présenter très brièvement l'IRD, j'en profite aussi pour euh, indiquer que ces travaux que je vais vous présenter, les résultats sont issus d'une collaboration avec beaucoup de participants au sein du laboratoire euh, du LOBS, le même laboratoire, hein, le laboratoire de scénographie physique et spatiale qui est situé ici à Pouzanet à côté de Brest. Donc voilà voilà pour l'IRD, donc pour vous donner juste une répartition euh, des principaux centres d'activité autour de la ceinture tropicale, bien évidemment. Et puis aussi, pour vous dire un petit peu les cinq thématiques donc, qui ont un spectre très très large d'activités, hein. l'IRD, on, on a des gens qui s'occupent des, des populations, de la santé, euh, des risques de, et de la biodiversité en général, et un département océan. Et évidemment, ça ne vous étonnera pas que les activités de l'IRD étant euh, en relation avec les objectifs du développement durable, hein, les, les ODD en français, que le département océan s'occupe de l'ODD 14 lié à la vie marine et notamment donc avec sa première cible qui est de réduire la, la pollution marine océanique. Pour présenter rapidement j'ai refait une introduction assez générale euh, de débris plastiques et environnement océanique euh, pour spécifier quand même et puis se, se mettre tout de suite dans le contexte de l'environnement la, de la, de océanique avec les outils qu'on utilise nous plus particulièrement qui sont plutôt basés sur une approche lagrangienne de la dispersion océanique donc on verra des, des, des cas précis avec des cas d'études en fonction donc, des échelles caractéristiques qu'on va regarder. Euh, ça, c'est assez classique en géophysique. On a effectivement besoin de regarder un petit peu en fonction des échelles. On ne va pas utiliser les mêmes outils si on veut regarder la diffusion moléculaire et si on veut regarder effectivement la circulation des grands mouvements océaniques, tels que le Gulf Stream, par exemple, que, que vous pouvez connaître. Donc, euh, juste pour, pour indiquer que les débris plastiques dans l'océan, ce n'est pas du tout un... Un phénomène nouveau. Hein. Vous avez, euh, des... on utilise souvent cette référence pour indiquer euh, la, la, pr la première trace, en fait, d'une étude qui indique la présence de plastique dans la mer des Sargasses, ici dans l'Atlantique, dans les années 70, qui était un, plutôt un simple constat, avec une prévision quand même qui est tout à fait euh, intéressante. C'est euh, euh, vu la production de plastique qui était déjà en train de, de progresser, donc euh, la présence de plastique dans les océans allait, euh, comme ils disent, indubitablement. Euh, Augmenter dans, dans les années à venir. Et évidemment, cette euh, prévision euh, s'est largement vérifiée. Juste pour vous indiquer, donc, euh, on va revenir un petit peu en détail sur ces aspects-là, mais là, on se situe un petit peu dans l'océan Atlantique tropical, donc au niveau de la mer des Sargasses. Et en 72, la production mondiale de plastique, donc de l'ensemble des, des matières plastiques, hein, c'est 44 millions de tonnes. Évidemment, quand on se place, euh, il y a deux ans, est sorti donc, euh, le second World Ocean Assessment. Avec un chapitre dédié, donc euh, vous voyez, euh, donc le chapitre dédié aux au, au soli, au, euh, déchets solides, donc qui note dans ses key points euh, le fait que c'est essentiellement donc maintenant des plastiques qui sont plutôt d'origine donc euh, venant des, des terres, avec euh, donc euh, évidemment pour cause principale un mauvais, une mauvaise gestion des déchets plastiques euh, au niveau des, des terres, en tout cas des bandes de, de la bande de terre près de l'océan qui touche l'ensemble des, des espèces marines aujourd'hui, donc euh, avec évidemment des processus euh, qu'on connaît bien ou qu'on voit souvent illustrés par des photos euh, limites insoutenables d'animaux qui s'étranglent qui ou qui ont des indigestions là, ou des ingestions de, de plastique. Il y a un point intéressant qui est noté dans ce rapport-là, c'est que donc, ce, ce point-là là, euh, qui, qui vient de l'idée du fait que l'océan va avoir un pouvoir dispersif assez fort et pouvoir en fait... Euh, euh, on va trimballer ou disons transporter, pour utiliser un terme plus technique, euh, des, des matières, certaines matières d'un certain coin de l'océan à un autre coin. Et typiquement, on verra des exemples à l'échelle quasiment des bassins océaniques. Et évidemment, on, comme souvent, donc, on, on indique qu'il manque encore un petit peu d'observations de, de, à l'échelle des time series, par exemple, ou à l'échelle mondiale des observations plus, euh, plus euh, disons, synoptiques de, de, ce, de ce genre de phénomène. On verra aussi des illustrations de ça. Donc en 2021, j'ai indiqué que la production mondiale de plastique elle est supérieure à 400 millions de tonnes. Donc vous voyez qu'à l'échelle quasiment d'une vie, à l'échelle d'une vie humaine, on est passé à 10, euh, 10 fois plus de, des échelles de, par 10 de la production mondiale de plastique, dont une partie va se retrouver dans, dans l'océan. Alors, on part souvent de la courbe celle-là, donc de la production mondiale de plastique qui, euh, qui, part, qui démarre en fait, euh, qui décolle de, de zéro après les années 50. Donc, euh, après la Seconde Guerre mondiale, où effectivement l'industrie plastique va se développer avec des usages de plus en plus fréquents. Euh, donc, j'ai juste indiqué, vous voyez, par exemple, une année qui m'est chère, donc en 68, la production mondiale est de 27 millions de tonnes et elle dépassera donc les 300 millions, donc c'est 10 fois plus euh, en 2010. On est probablement au-dessus de 400 millions ou très proche de 400 millions de, de tonnes. Euh, et vous voyez que la courbe est, en, est encore en fortement, forte progression, en fait, euh, quasi exponentielle. Pour les années à venir, à l'échelle 2050, on aura déplacé probablement le millier de millions de tonnes de production de, de plastique à l'échelle mondiale. Euh, cette courbe-là, j'aime bien aussi signaler qu'il n'y a que deux petits accros. En fait, vous voyez très bien deux endroits où il y a eu une petite baisse de production. C'est le premier choc pétrolier mondial les années 60, au milieu des années 70 et c'est la, la crise des surprimes à l'orée des années 2010, mais qui repartira donc, à la hausse en fait, des années 2010. En gros la courbe elle, la production double à peu près tous les tous les 10 à 12 ans. donc ça c'est un petit peu près ce qu'on qu connaît bien on sait qu'une partie donc de ces plastiques vont se retrouver dans l'océan alors comment on sait ou comment on peut imaginer que ça suit un petit peu euh, la courbe un petit peu de, de production il y a malheureusement très peu d'observations effectivement dans, dans les années euh, évidemment du début du siècle comme c'est classique en géophysique par contre j'avais trouvé cette étude qui me semblait être intéressante qui a regardé en fait dans différentes espèces de poissons donc les contenus stomacaux et puis de regarder dans ces contenus stomacaux alors ce sont des échantillons qui sont pris dans les muséums d'histoire naturelle donc en fait qui étudie certaines espèces un petit peu aux États-Unis c'était des, des espèces plutôt de rivières d'eau douce hein, mais bon c'est c'est un petit peu la même idée et qui vont regarder donc qui ont été collectés pour pouvoir faire des suivis écologiques mais donc là, les, les gens ont pu accéder à un, un sous-échantillonnage de ces, de ces collections et regarder donc, les contenus du stomaco en, parti, en particules de plastique. Et vous pouvez voir qu'il y a à peu près 120 échantillons. Et on retrouve, bon an, mal an, en fait, cette idée qu'avant les années 1920, 19, pratiquement même 1950, on ne voit absolument pas de, de présence de plastique dans, dans ces poissons et que les concentrations des particules, en tout cas le nombre de particules va augmenter au fur et à mesure et a tendance il semblerait augmenter de façon euh, plus importante dans les années les plus récentes. Voilà un petit peu le, le constat qu'on peut faire aujourd'hui pour s'assurer qu'on qu vient dans l'idée qu'effectivement il y a un euh, cheminement du plastique, en fait, si vous voulez, du, depuis les terres d'océan et évidemment euh, vers les occupants des, des océans. Alors, pour ne pas vous inonder trop de chiffres hein, en tout, euh, de tout ordre. Moi, je me base en général sur les chiffres qui sont issus de ces deux rapports. Donc, un rapport de l'Académie des sciences qui a maintenant 2 trois ans, hein, qui aura bientôt trois ans, donc des plastiques dans l'environnement, et puis un rapport qui avait été fait par deux, euh, deux, deux députés, enfin une députée et un sénateur, ou l'inverse plutôt, pardon, c'est un, un député et une sénatrice euh, de, de nos assemblées, donc sur le plastique, euh, en, en scannant un petit peu ce qui pouvait euh, contenir d'informations de la communauté euh, nationale. Donc, de façon très générale, on voyait le plastique, c'est le troisième matériau le plus fabriqué au monde après le ciment et l'acier. C'est plus de 5300 formules de pommulaires qui existent, et dont, dont une bonne partie, une, enfin une très large majorité d'ailleurs, est plutôt associée aux seuls emballages plastiques, les emballages courants. Donc on a parlé déjà de la production annuelle, je ne reviens même pas dessus, pour vous montrer qu'effectivement, cette forte croissance est tirée avant tout donc par le secteur de l'emballage et que 80% des, des, des plastiques qui, deviennent, qui sont mis en circulation en fait, deviennent des déchets au bout d'une année, voire beaucoup moins quand on parle des, des plastiques à usage unique. Souvent, c'est quelques minutes d'utilisation, et par contre, c'est plusieurs dizaines, voire centaines d'années de, de vie dans, dans l'environnement. Le, on commence à appréhender l'idée qu'effectivement, ça a des conséquences multiples, pas seulement pour la biodiversité et la santé humaine, puisque ça, c'est un petit peu ce qu'on pouvait imaginer. Mais aussi pour l'économie mondiale, il y a certains pays qui souffrent énormément de la solution de, de plastique, parce que ça peut tuer, ou ça peut endommager sérieusement leurs conditions, par exemple, de tourisme. Euh, L'Indonésie est un pays, par exemple, qui est de ce point de vue-là assez notable. Il faut bien imaginer que même si dans nos sociétés, à nous, on, on a des, des systèmes de recyclage et de collecte des ordures qui sont plutôt efficaces euh, à l'échelle mondiale, ce n'est pas tout à fait le cas. Et vous voyez, il y a encore un très faible taux de recyclage des plastiques. Une grande partie en fait, se retrouve dans, dans, dans l'environnement s'ils ne sont pas incinérés de façon euh, dans, on va dire légale dans des, des, des systèmes prévus pour ça ou alors de façon plutôt euh, illégale, enfin en tout cas illicite, dans l'environnement. On s'accorde à dire qu'il y a à peu près 10 millions de tonnes de plastique qui euh, finalement finissent dans les océans euh, par an. Et du coup, euh, beaucoup d'études depuis une dizaine, bonne dizaine d'années maintenant. Euh, en fait, depuis qu'on s'est aperçu qu'il y avait un fractionnement de taille une fois que les plastiques sont dans l'environnement, puisqu'ils vont subir des, des phénomènes physico-chimiques assez importants qui vont entraîner tout un spectre de taille. Et on a, la communauté a proposé, donc, enfin, on se base sur une classification, euh, donc à peu près celle-là, des micro-plastiques entre 2-3 micromètres à 5 mm. Avant, ce sont plutôt des méso- ou des macro-déchets. Et puis en dessous, ça serait donc l'arrivée de, de ces nanoplastiques, de ces nanoparticules qu'on a encore beaucoup de mal à appréhender, mais qui, qui, sont, qui font les, euh, le suivi d'un très fort de très fortes études. Une étude juste pour vous montrer en fait, que l'intérêt de ces microplastiques a explosé en, en pratiquement une dizaine d'années, depuis une bonne dizaine d'années. C'est cette étude qui montre que effectivement, ces microplastiques, qui sont ici repérés par de la fluorine verte, sont capables d'être ingérés par des zooplanctons et du microplancton euh, océanique. Donc, euh, ou des larves de, de, de différentes espèces et qui sont capables de les ingérer et de, de donc, qui ne font pas la différence finalement entre leur poids naturel et puis ces poids synthétiques qui existent et qui pourraient amener à avoir des conséquences importantes. Donc, on sait notamment sur des facteurs comme les taux de reproduction euh, ou, ou de, de charges pondérales en fait, qui vont être associés aux additifs des plastiques. donc Ces microplastiques ont suivi vraiment euh, euh, des études assez récentes. Pour autant, ce n'est pas quelque chose d'unique. Vous voyez, par exemple, cette étude qui montrait en fait, comment on pouvait décomposer ce que c'est une famille de microplastiques. Au départ, vous avez effectivement un polymère euh, qui va être la matrice première de, de, du plastique à laquelle on va être asso associé un additif. C'est ça qui va donner la nature du plastique et souvent la nature de l'usage du plastique que l'on fera en fonction de ce qu'on mettra dedans, un plastifiant, un colorant ou des choses anti des retardants de, de, de flammes ou des choses comme ça, ou des stabilisateurs ou des choses qui permettent d'avoir effectivement des plastiques qui sont euh, conçus pour ça, hein, pour leur plasticité, par exemple, ou leur, euh, leur usage ou leur euh, robustesse, par exemple. Après, donc, il y a différents produits qui sont associés à ces plastiques. Et donc, en général, pour les microplastiques, on va séparer deux grandes catégories, les primaires et les secondaires. Les primaires étant ces fameuses petites euh, boulettes, là ou pelettes euh, qu'on qu voit, euh, qu'on entend parler sur les, les, les plages, par exemple, qui sont donc la matière première finalement de tous les fabricants de plastique et qui sont utilisés pour faire après des produits manufacturés. Et puis tout ce qui est secondaire, donc qui est plutôt en fonction de l'usage qui est utilisé dans les différentes catégories, et on va retrouver effectivement des aspects très importants. Hein. Par exemple, les, beaucoup de matériaux, euh, enfin d'activités liées aux activités médicales ont besoin de plastique, ne serait-ce que pour assurer euh, la non-contamination lors d'opérations chirurgicales ou autres. Donc le spectre de taille, on vient d'en parler. Et puis la morphologie qui va être aussi importante en fonction de ce qu'on veut euh, utiliser ou ce qu'on va trouver un petit peu dans, dans la nature. Depuis des fragments, des sphères ou des pellettes, mais aussi des films ou des bouts de sac plastique, par exemple, et puis des fibres de, de, de toutes sortes. La couleur, et puis finalement, donc les additifs qu'on peut avoir de façon euh, plus plus dangereux, donc des, des, des substances chimiques dont on sait la, la, la dangerosité au niveau donc potentiel, en tout cas, vers les, 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 les êtres vivants en général. Alors, vous voyez que ce spectre-là, il est quand même assez large. On va pas pouvoir, euh, en tout cas aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'études qui s'intéressent à l'ensemble de ces différentes composantes. Et on va simplifier le problème en regardant, et nous, typiquement, dans un premier temps, c'est ce qu'on a fait, en regardant un petit peu tout ça comme des particules euh, qui vont être capables d'être transportées par l'océan euh, de façon neutre ou, euh, en tout cas, passive, et donc de ne pas prendre en compte les différentes catégories et les différentes caractéristiques très spécifiques de, de plastique. Mais il faut savoir que c'est fait de, de, de plus en plus. Alors, qu'est-ce que l'on sait des plastiques dans les océans Donc, Vous voyez que dans le cadre de, des ODD, donc la cible euh, qui est la première cible en fait, de, de l'ODD 14 dédiée à la vie océanique, c'est d'essayer de trouver des indices de la densité des, des index ou des, des indices, en tout cas, de, de densité, de, de caractérisation de densité de plastique, des débris plastiques au sein des océans. Et là, vous avez une étude qui, est, qui remonte seulement en 2021, une compilation de l'ensemble des observations qui ont pu être faites euh, depuis les années 70-80 dans le monde, euh, donc, en termes de microplastiques, en tout cas de petits plastiques, qui sont récoltés par essentiellement des filets Manta. Le filet Manta, vous avez une illustration sur le côté, qui est un filet qui est fait adapter pour récolter ce qui se passe vraiment à l'interface entre l'air et l'eau, au, au niveau des océans. Et puis après, vous aviez souvent des gens qui comptaient avec une binocle euh, l'ensemble des plastiques, tels qu'on peut voir dans le dans le, ramassis, dans le collecteur à la fin. Voilà la condition, la carte qu'on obtient à l'échelle globale. Alors, j'ai indiqué aussi que c'est devenu une variable d'intérêt aussi pour les grands centres océaniques et d'études de, en fait, des, des variables de, de l'océan, notamment donc, au sein de la NOAA aux États-Unis, qui a dans le département donc, des, des, des informations environnementales. Donc, c'est en grosso modo en fait, ce que les océanographes appelaient les données de collectées par Cinelle et Vitus, donc pour faire les bases de données climatologiques de l'océan. Vous avez un paramètre maintenant qui s'appelle Marine Microplastic Concentrations, qui permet effectivement de faire ce jeu, exactement le même genre de, de cartes, en tout cas de, de constat. Il y a deux choses importantes qu'on peut voir, qu'on peut commenter en tout cas sur cette carte, qui me semble, moi, en tout cas, très important. C'est d'une part, effectivement, il y a une très forte hétérogénéité des, des observations, ça ne vous étonnera pas. Donc, on retrouve essentiellement des données souvent près des côtes et près des, des grands pays comme l'Europe ou le Japon ou les États-Unis. Beaucoup moins dans l'hémisphère sud, bien évidemment. Et puis, au sein de, de cette carte, donc cette grande hétérogénéité, on voit aussi des valeurs qui sont euh, très importantes, donc qui ont tendance à montrer qu'il y a des zones où le plastique aurait tendance à s'accumuler. Et on retrouve, et on va discuter effectivement de ces grandes gires de concentration au niveau subtropical, où en fait la dynamique océanique va un petit peu conduire ces plastiques flottants à arriver donc, vers ces zones d'accumulation qu'on retrouve euh, ici, typiquement la mer des Sargasses dans l'Atlantique, ce nord. Et aussi le great garbage patch donc de, de l'océan Pacifique, typiquement grosso modo entre Hawaï et puis la côte euh, américaine. Donc, c'est un petit peu cette carte-là qui, euh, qui pose un peu euh, les grandes questions qu'on qu s'est attaquées au, au sein du, du LOPS. Donc, quels sont les cheminements de, de, de ces plastiques dans l'océan? Et euh, effectivement, essayer de comprendre pourquoi ce plastique s'accumulerait dans, dans les océans, sans pour autant aller jusqu'à pouvoir mettre en place des, des, des solutions très pratiques pour essayer de... De faire, vous allez voir que en fait, les concentrations, ça reste des concentrations quand même très, très légères. Et donc, ce n'est pas évident d'imaginer des solutions de collecte à grande échelle. Alors, quels sont les outils qu'on va utiliser, nous, euh, au sein du laboratoire C'est avant tout une approche lagrangienne. donc C'est la majorité des, des études qui utilisent, enfin, qui font des études sur cette dispersion du plastique dans les océans se basent sur, sur, sur ce type d'approche. Une approche qui s'appelle Particle Transport Model, donc PTM qui est basé sur l'idée qu'on va regarder la connectivité avec une approche Lagrangienne, donc en suivant les particules dans, dans l'océan. Et ça veut dire, en fait, la connectivité, hein, c'est comment et euh, à quelle échelle de temps on va pouvoir caractériser le flux euh, de, des masses d'eau océaniques d'une location, d'une enfin, position pardon, à une autre. Ce n'est pas utilisé que pour le, les plastiques, hein, c'est utilisé avant tout donc, pour les, les masses d'eau les traceurs éventuellement les organismes et puis effectivement des choses plus passives comme les débris et puis la, la pollution. Euh, donc ça peut être utilisé aussi et c'est un petit peu la conclusion que vous verrez à la fin de, de, de cette présentation. ça peut être utilisé aussi finalement pour nous aider à mieux comprendre la dynamique océanique et euh, donc de dispersion en particulier en utilisant donc ces, 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 des analyses et des diagnostics le long des trajectoires de particules euh, fictives qu'on met dans des champs de courant euh, du modèle puisqu'il nous faut effectivement au moins une description basique des, des courants à, au premier ordre. Et on va aborder souvent le, le problème par une approche holistique du type ci, cycle de vie, avec donc un compartiment source, donc il, il faudra spécifier d'où viennent les plastiques, depuis les terres, certes, mais effectivement d'où et à quelle quantité, éventuellement quelle variabilité saisonnière ou, ou temporelle ils peuvent avoir, les aspects de dispersion, et puis des aspects de puits. Ou est-ce que effectivement, ça peut s'accumuler Pour les non-flottants, évidemment, on imagine très vite que ce qui va couler va s'accumuler au fond des, des océans. Pour la dispersion, euh, j'ai mis ici deux cartes pour vous montrer un petit peu la difficulté que peut représenter la dispersion océanique. Donc en fait, vous voyez, c'est. On est aussi euh, dans le Pacifique Sud, vous avez les îles Fidji qui sont indiquées ici. Donc on est au sud des îles Fidji. Et lors d'une campagne en mer, on a déployé donc, cinq bouées dérivantes de surface, euh, qui, qui sont illustrées par la petite image là. Donc depuis une campagne océanographique. Et vous voyez qu'il euh, y a des cas de figure où, où, effectivement, le déploiement de ces bouées indique une trajectoire en fait, qui, qui, pendant un certain temps, va être assez proche l'une des autres. Et puis, d'un seul coup, une bouée hop, change de direction et prend une autre direction, et ainsi de suite. Et plus on regarde, évidemment, dans le temps, plus elles vont avoir tendance à s'éloigner les unes des autres. Vous voyez que c'est assez consistant dans le, dans le cas supérieur ici. Là où dans le deuxième cas, vous voyez qu'à l'échelle du déploiement de, en, durant la même journée, on a cinq trajectoires qui euh, se mettent quasiment à se de, à diverger très, très vite et puis à prendre des directions quasiment euh, très euh, très différentes quasiment instantanément. Donc on a effectivement, on pourrait se dire qu'on peut effectivement décrire la dynamique océanique à partir de ce type d'objets, de, de dérivants. Mais vous voyez qu'à cause des conditions qu'on va rencontrer, il faudrait en avoir énormément pour pouvoir décrire très précisément l'ensemble des structures océaniques qui vont caractériser la circulation et donc la dispersion de, des objets plastiques, par exemple. Donc ce qu'il faut faire appel, donc on est obligé de faire appel à une autre source de courant pour essayer de mieux comprendre cette dynamique. Alors on pourrait imaginer utiliser des courants depuis, en, en tout cas à la surface, essentiellement. Euh, basé sur des données satellites. Donc, euh, il y a des produits euh, qu'on appelle SMOC qui sont donnés par le centre de, de données Copernicus, que vous avez peut-être entendu parler, qui est un centre maintenant reconnu de données climatiques mais aussi océanographiques en général. Et puis on peut utiliser des composantes avec ces données euh, satellites, euh, par exemple Géostrophique et Ekman, donc qui sont les deux composantes principales des courants à grande échelle euh, qui vont résulter du champ de masse, et ça on sait l'observer avec altimétrie satellitaire depuis euh, maintenant plusieurs décennies. Et puis, si on a des données de diffusiomètre auxquelles on est capable de remonter au vent de surface, on peut estimer la composante Ekman, donc la composante du au vent, simplement, de, de ces choses-là. En général, donc, ça, c'est lié à la surface. On n'ira pas beaucoup plus loin de, de ce point de vue-là. Et on va plutôt utiliser donc, des modèles d'océan qui sont issus de la dynamique euh, de, de Geophysical Fluid Dynamics, donc des équations de la dynamique euh, euh, fluide en 3D. Et qui sont simplement en général la résolution des équations de Navier-Stokes avec des hypothèses donc de la géophysique appliquées à l'océanographie, euh, où on se retrouve avec des équations qu'on appelle primitives et qu'on utilise donc des centres de calcul pour effectivement euh, résoudre ces équations et avoir être capable d'avoir des, des, des observations ou en tout cas des estimations de courants à la surface et dans le temps qui nous permettent de faire des suivis de particules. Donc, on va recalculer finalement les trajectoires de particules qui auraient pu être débouées, sauf que là, elles sont des particules fictives au sein des océans. Et vous voyez ici avec l'illustration qui est donnée pour l'Atlantique la Nord, où on voit très bien que suivant l'échelle qu'on va considérer, donc les échelles qui vont nous intéresser, on va utiliser des grilles plus ou moins fines. Là aujourd'hui, typiquement, vous avez une grille d'un modèle de Jonathan Gula du Lops à 3 km de résolution. C'est relativement fin, là où les modèles de climat aujourd'hui utilisent des grilles plutôt autour de 20 km, 20-25 km. Et vous voyez que quand on fait un zoom, on peut voir des structures tourbillonnaires auxquelles sont associées à ces échelles-là, même des structures de type filamentaire autour des principaux euh, dits, moyens. Alors, comment un petit peu faire le, 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 la différence de tous les processus qui vont être capables de disperser nos plastiques eh bien, En fait, on, utilise, on va utiliser un, un petit peu euh, suivant les échelles, ce que j'appelais les échelles caractéristiques donc de la dynamique. C'est assez classique de présenter en fait ça dans un, un diagramme comme celui-ci, donc entre les échelles spatiales euh, en abscisse et puis les échelles temporelles en ordonnée. Et vous voyez que les principaux euh, phénomènes euh, physiques, en tout cas de la, de la circulation océanique, vont euh, toucher plus ou moins une zone de ce diagramme. Euh, si on commence ici en haut, tout en haut, donc les grandes échelles d'espace et de temps, on retrouve évidemment les variations climatiques à très long terme. Des phénomènes climatiques à l'échelle de quelques années, donc qui sont plutôt les, euh, typiquement les événements Niño qu'on appelle ENSO. Et puis, vous voyez, au fur et à mesure qu'on va descendre les échelles, si on s'intéresse à des plus petites échelles, on va retomber sur les fronts, les tourbillons océaniques, euh, si on s'intéresse par exemple à la migration du plancton ou du phytoplancton, donc les blooms associés à tous ces processus. Et puis, des phénomènes de plutôt après de petites échelles, relativement beaucoup plus petites échelles, de l'ordre de, de 1 10 km, donc les ondes internes qui se peuvent être liées à la marée, par exemple. Et puis, à très petite échelle de temps et d'espace, on retrouve effectivement les, des circulations telles que les circulations de langue mire, voire des processus moléculaires. Alors, si on fait un petit peu, il y a, il y a une étude récente qui s'est intéressée à ça au niveau des plastiques. Alors, vous voyez, c'est très sommaire. Hein. Ils n'ont même pas mis de d'axe vraiment euh, euh, au niveau des échelles spatiales, en tout cas quantitatif. Mais au niveau qualitatif, ils retrouvent un petit peu ce genre de classification avec différentes zones de, de, entre le temps et l'espace qui vont nous intéresser, qui vont utiliser par exemple donc, les, les gyrosaniques. Euh, les rivières, les, les, les processus de, de collecte éventuels à beaucoup plus petite échelle. Et puis pareil, on va aller vers les petites échelles au niveau des, des zones de marée ou des tourbillons, voir des processus de biofouling ou de, de littering, donc plutôt de beaching ou des choses comme ça, donc de réinteraction finalement avec le, le milieu côtier. Donc je vais me servir un petit peu de ce diagramme-là pour vous donner des cas d'études très précis. Commençons par les gyrosaniques. Donc en fait, donc dans l'approche holistique que je vous ai des que je vous présentais tout à l'heure. Là, on a mis des sources le long des côtes. Donc en fait, on se base sur un indice de population qui vit à peu près dans la bande de 50 km près des côtes et des principales rivières de, de, de l'océan. Et on va mettre des particules en fonction du temps, donc chaque année, avec un cycle saisonnier de, de variation. Et voilà ce que ça donne. Donc on voit ici très bien, au fur et à mesure, donc les particules partent depuis les côtes et puis rentrent dans l'océan à différentes régions, et vous voyez qu'elles vont se remettre à s'accumuler dans ces gires subtropicaux, là, à peu près vers 30 degrés nord et 30 degrés sud. Donc les deux au, au nord qu'on a vu tout à l'heure, hein, la mer des Sargasses et le le celui de l'océan Pacifique. Et puis trois au sud, donc dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique aussi, et dans l'Atlantique Sud. Et puis vous voyez toutes sortes de, de, de phénomènes transitoires intermédiaires, avec notamment donc, une zone d'accumulation qui qui n'est pas très, très connu, qui est pas très documenté, mais qui est potentiel dans le golfe du Bengale, mais qui a une durée de vie. En fait, si vous arrêtez les sources, la dispersion est telle qu'effectivement, au bout de 5-6 ans, il n'y a plus de, de particules qui restent. Et les principales zones de collecte sont les, les 5 girs euh, océaniques, qu'on qu voit ici encadré dans des dans, dans boîtes bleues. Et vous voyez, si je remets ici la carte des observations, eh ben, on n'est pas complètement euh, à la ramasse, on va dire. On trouve en fait, finalement, finalement ces grandes zones d'accumulation dont il y avait des indices dans les observations qui indiquaient bien qu'effectivement le Pacifique Nord ici ou l'Atlantique, c'est un petit peu moins évident à voir, mais on voit un petit peu quand même une petite zone de convergence dans le dans l Pacifique Sud qui semble être un petit peu moins étendue, hein, mais c'est un petit peu logique. Hein, la population dans l'hémisphère le, dans le, sud est déjà moins importante près des côtes. Les côtes sont beaucoup plus éloignées aussi dans le Pacifique Sud. donc Vous avez euh, donc des, des raisons de penser que les... Il y a plusieurs raisons qui font penser qu'on a effectivement euh, des résultats différents. On retrouve évidemment des grands classiques. Hein, la mer Méditerranée est un, un des milieux les plus pollués. On retrouve aussi des mers intérieures asiatiques. Hein, on verra juste après donc, les mers indonésiennes, par exemple, les gyres subtropicaux et puis donc, la présence de nouvelles zones donc, qui sont assez peu documentées en observation, donc, comme le golfe de, de Bengale. Euh, vous voyez, typiquement, dans les observations, bah, il est bien difficile de dire quoi que ce soit, puisqu'il y a eu visiblement une seule. Euh, campagne d'observation qui n'a visiblement observé pas grand chose à ce moment-là. Alors ce qui est intéressant, euh, ce qu'on a fait avec ces, nos, nos études aussi ici, c'est qu'on était capable d'utiliser euh, le schéma dispersif. Donc là, je vous ai montré essentiellement ce qu'on appelle un mode forward, c'est-à-dire on regarde le temps qui arrive et on calcule au fur et à mesure du temps qui passe les concentrations. L'intérêt de la méthode qu'on utilise, nous, au laboratoire, c'est qu'on est capable de faire du backward, donc de regarder un petit peu dans, regard, en remontant le temps. Et de voir d'où proviennent les particules. Et c'est ce qu'on a fait ici pour l'océan Pacifique Sud, euh, où en fait on s'est aperçu dans notre modèle que le, les concentrations du Pacifique semblaient ne, ne pas atteindre d'équilibre, alors qu'on voit très bien l'équilibre dans l'Atlantique ici euh, qui est atteint au bout de quelques années, 5, en tout cas moins de dix ans typiquement, on a des, des concentrations qui n'évoluaient plus beaucoup. Et en fait, on s'est aperçu aussi que ça venait d'une décroissance de l'océan Indien. Et vous voyez, en fait, en regardant comment d'où sont venues finalement les particules qui s'intègrent et qui s'accumulent dans cette zone du Pacifique Sud, en fait, on retrouve un cheminement qui longe pendant très longtemps dans le Pacifique Sud, euh, à peu près 30 degrés, 30 degrés Sud, qui contourne l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et qui vient en fait en partie de l'océan Indien et en partie des eaux antarctiques intermédiaires. Et vous voyez que quand on remonte finalement par rapport à l'instant final de la simulation quand on remonte jusqu'à 30 ans en avant, enfin 25 ans à peu près en arrière, on voit que c'est l'ensemble du bassin Pacifique Sud qui a effectivement fourni les particules qui vont venir s'accumuler en son sein de, vers 30 degrés sud, là. mais qu'on a aussi finalement des zones, des zones et des particules de l'Indien Sud qui ont, été, qui ont eu besoin en fait de s'accumuler dans un premier temps dans la zone d'accumulation de, de l'Indien Sud avant de transiter vers un cheminement euh, assez, euh, assez étonnant, en tout cas d'une route. De plusieurs milliers de kilomètres dans l'océan indien, dans l'océan pacifique sud, avant d'atterrir donc dans leur, dans leur destination finale. Et donc ça voulait dire aussi quelque part ce est un message important, c'est que ces zones d'accumulation sont pas du tout des zones fermées, sont pas des zones où ça s'accumule et puis rien, plus rien ne bouge. En tout cas, la dynamique elle est pas inerte, elle est pas et elle est connectée potentiellement avec les autres, les autres domaines du bassin. Un autre projet donc était de regarder aussi ce qui se passait au niveau des rivières parce que c'est quand même l'axe majoritaire de d'arrivée de, donc des plastiques dans l'océan et là je vous montre un, un, quelques résultats d'un un projet qu'on a fait donc, pour le, dans le cadre de l'agence française de développement l'afd avec les, les partenaires indonésiens et pour ce pays en fait on, on a des images tout à fait euh, horribles de, de ce genre d'accumulation dans les rivières. On pouvait aussi utiliser, donc, un résultat assez intéressant, c'était de dire que les rivières sont des, des systèmes et les fleuves sont des systèmes très complexes. Et il n'y a pas de, il y a beaucoup d'études qui sont dédiées à ça avec des temps de retention qui sont bien plus compliqués que le simple flux de la rivière. Mais ce n'était pas forcément le cas aux Philippines et en Indonésie, donc par euh, un collègue néerlandais nous disait qu'on pouvait imaginer très bien que, ce qui, qui va dans les rivières en Indonésie, finalement, est assez connecté rapidement à l'océan, puisque ce sont des rivières assez assez de petits débits et qui vont directement en fait, se retrouver dans, dans l'océan. On a utilisé cette hypothèse basée sur l'idée qu'on va regarder une vingtaine de, de, de rivières donc de l'Indonésie hein, qui sont indiquées ici. Donc, vous voyez qu'on a des données d'observation du flux qui arrive sur les terres et qui vont donc, se retrouver dans les rivières. Et en fonction de la, de la densité de population aussi, on va utiliser donc les rivières les plus polluées, notamment évidemment dans le cadre de, de l'Indonésie, de Java. Et le flux de particules va être en fonction du temps et du débit des rivières. On voit très bien effectivement dans la courbe ici sur les quelques années de simulation, on va avoir une saison sèche très marquée et puis une saison très humide avec la mousson qui emmène effectivement beaucoup de, de particules. Et vous avez l'animation ici. Donc c'est ce qu'on fait hein, dans le calcul des, des, des trajectoires fictives. Au niveau des modèles, donc on recalcule pour chaque rivière les particules qui sont lâchées dans l'océan dans, dans et vous voyez ici la, la dispersion au fur et à mesure avec des, des inversions de flux, de mouvements qui sont liés typiquement à la mousson euh, océanique. Alors juste, j'ai indiqué ici, peut-être je fais une petite une petite aparté pour dire que donc ça c'est le, le produit qu'on obtient depuis les, les, le vraiment le modèle Lagrangien et que ces trajectoires sont disponibles dans la base de données Odatis au aujourd'hui en France. Donc vous pouvez effectivement refaire exactement le même genre de diagnostic qu'on a fait ici. Je vous présente. Donc c'est de faire effectivement en général un budget, un bilan total de, de ces particules. Et on a été assez surpris euh, puisqu'on on a retrouvé 10% de nos particules qu'on avait émises depuis nos, nos rivières dans les eaux océaniques, dans les cellules océaniques de notre modèle. Euh, 30% quittaient le domaine, donc typiquement l'océan Indien et puis vers le Pacifique, mais majoritairement vers l'océan Indien, comme on peut voir ici. Et puis 30%... 60% se retrouvaient en fait euh, ce qu'on appelle beaché. Donc, ce il n'y a pas vraiment de modèle hein, physique de, de beaching, en tout cas d'interaction avec les, les côtes. Mais par contre, on utilise en fait un diagnostic simple de dire si la particule se retrouve euh, dans la cellule, donc avec une trajectoire qui se retrouve très proche d'une cellule Terre, donc typiquement ici, vous voyez, moins de 9 mètres, on va considérer cette, cette particule comme étant euh, toutes les chances en fait du monde d'être beaché et donc de, de se retrouver coincé par la sur une plage et de ne plus pouvoir en fait euh, circuler dans, dans l'océan. Et comme c'était la majorité de ces particules, on a construit un atlas en fonction des façades océaniques de la région, donc, qui sont représentées ici par le diagramme avec toutes les couleurs. Là. et vous voyez que si on prend les cas, le cas de la côte de java nord, on retrouve ici sur la, la démonstration, donc les petits euh, points qui sont les points sources des différentes rivières de java nord de la côte nord de Java et puis effectivement les concentrations de particules qui se retrouvent près des côtes et vous voyez évidemment de façon non surprenante on retrouve des concentrations assez importantes près des zones d'émission mais on retrouve aussi par exemple là si on regarde dans la baie de dans cette baie ici donc des particules qui vont avoir tendance à venir s'accumuler sur le bord de, de, la, de la source de rivière et on a effectivement l'évolution temporelle aussi qui est donnée pour chaque rivière donc on est fourni cet atlas aux autorités indonésiennes pour qu'ils puissent éventuellement voir s'ils pouvaient mettre en place des, 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 des solutions, en tout cas, ou des, des campagnes de collecte. Alors, on peut se poser la question de savoir quelle représentativité on a avec un modèle pour en fait essayer de voir si on, on, on retrouverait des informations ou des observations proches de ça au niveau des collectes qui sont faites le long des plages. Et on a trouvé en fait deux jeux de données qui nous permettaient de faire une petite comparaison. Donc pour l'instant, c'est plutôt vraiment une comparaison. Et c'est ce que j'appelle le gros, le gros challenge pour les modèles. C'est qu'effectivement, il nous faut comparer ça avec des observations qui sont des observations, vous voyez ici, dans le cas à gauche, donc de, 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 de campagnes de visuelles d'observation de, de, de déchets dans les plages. Et vous voyez ici, quand on regarde en fonction des stations qu'on a recolocalisées dans le modèle, on fait simplement une simple comparaison entre le nombre d'items qui sont collectés. Euh, par kilomètre carré donc dans ces, euh, par, euh, ces équipes ici donc d'un collège indonésien et le nombre de particules en rouge euh, dans le modèle et au moins au premier ordre on est assez content de voir qu'on retrouve bien un flux de mousson avec donc des particules de façon importante qui s'échouent lors de la saison humide et puis euh, effectivement des saisons lors de la saison sèche avec très peu de rivières notamment sur java qui émettent des, 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 du flux même les rivières sont presque à, à sec donc on a assez peu de, de particules. C'est un petit peu plus compliqué et un petit peu moins comparable quand on regarde effectivement d'autres sites, notamment ici, par exemple, ce site-là, la Verlingano, Tengano. ou alors, effectivement, on ne retrouve absolument pas de particules dans le modèle, alors qu'il y a effectivement de la présence de plastique de façon importante dans, dans, dans ces régions-là. Et une des explications peut être simplement qu'on n'a pas effectivement les bonnes sources, on n'a pas pris du tout de, de régions, si je vous rappelais, en fait, les, les rivières qu'on a considérées, était localisé sur Java, sur, pas mafrette, sur Java ici ou Bali, mais pas du tout sur ces petites îles qui sont beaucoup plus petites et dont il est très difficile de savoir en fait, quels sont les, les flux de rivières. Une chose est sûre, c'est qu'il euh, nous faudra, et on a commencé à travailler sur ça, un modèle plus robuste de beaching donc, et de potentiellement de remobilisation euh, des particules plastiques qui sont sur les plages ou sur en tout cas le substrat euh, terrestre euh, de façon générale. Et qui, qui permettrait d'améliorer les, les, les comparaisons avec les observations. Alors pour finir, euh, mes présentations donc juste un petit rôle sur les tourbillons. c'est ce qui euh, Thierry je pense reviendra dessus aussi sur un autre, une autre vision de, de, du rôle de tourbillons. Hein. C'est vraiment les tourbillons océaniques sont un petit peu euh, ce qui est, euh, des des, des, comment dire, des phénomènes océaniques qui sont majeurs et qu'on retrouve partout dans les océans et donc qui sont aussi importants pour la dispersion. Donc rapidement pour vous donner le contexte, j'ai trouvé sur une plage d'Ouvéa, euh, qui fait partie des îles Loyauté de l'archipel de la Nouvelle-Calédonie, donc deux bouteilles plastiques qui venaient notamment de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles Salomon, avec vous voyez des bouteilles plastiques en un relativement bon état, donc qui n'étaient visiblement pas restées très longtemps en mer, qui étaient quand même originaires donc potentiellement donc, de ces îles-là, qui sont à plus de 700 000 et 900 000 nautiques de, de la côte d'Ouvéa. et dans un schéma de circulation, vous voyez qui n'est pas propice. Là, ça ne paraît pas évident de voir comment l'océan pourrait transporter ces bouteilles-là euh, depuis ces îles vers euh, la, la, la zone de d'Ouvéa. Et là, on a utilisé deux modèles avec des résolutions différentes. Et vous voyez qu'un modèle au quart de degré est représenté ici, donc l'île d'Ouvéa, et on regarde les particules ici en, de nouveau en backward pour regarder ou intercepter ces particules lorsqu'elles touchent les côtes, par exemple ici des, des îles ou de l'archipel des, des Salomon. Donc dans le modèle au quart de degré, et on obtient en fait pour toutes les particules une fonction de courant, donc c'est un peu les lignes de force, si vous voulez, de l'écoulement euh, océanique entre ces deux destinations, entre, euh, utilisant donc, ces différents cheminements entre les deux connexions. Et quand on fait la même chose sur le modèle à beaucoup plus haute résolution, donc qui a la capacité de modéliser des tourbillons très dynamiques et beaucoup plus importants, on voit ici en fait, les, les lignes colorées, là que vous voyez, sont les cheminements des, des, des particules fictives qui ont été le plus rapides pour connecter. Le point de la Papouasie euh, de, des îles Salomon, ici, a ouvert. Et vous voyez que c'est typiquement de l'ordre de 50 jours, là où il fallait trois fois plus, en fait, pour le modèle au quart de degré euh, de connecter, en fait, les deux. Et donc, ça indique bien que les petites structures, en fait, en étant très dynamiques, très énergétiques, sont capables d'introduire des nouveaux cheminements et des, des chemins qu'on qu ne voyait pas forcément avec le modèle au, au quart de degré à 25 km. Pour autant... Si on regarde en fait une trajectoire d'une bouée, donc c'est une seule bouée particulière, mais qui a été relâchée ici dans le, dans, le, comment dire, dans le chemin entre le Vanuatu et puis les îles Salomon, vous voyez qu'elle est restée pendant plus d'un an et demi dans la région, avant de faire ce grand, cette grande boucle qui pourrait très bien être une ligne de courant en fait, de, de ce qu'on avait dans le modèle, donc qui rentre très fortement dans l'océan Pacifique intérieur et qui revient en fait vers l'archipel du Vanuatu avant d'aller mourir en fait. Ça sa connexion, et on a regardé l'ensemble des bouées qui ont été lâchées, et on a trouvé aussi effectivement des cheminements euh, presque directs entre les deux archipels qui étaient tout à fait possibles. Donc en fait, pour moi, je l'interprète comme étant ces modèles à basse résolution ne sont pas faux, ils sont juste incomplets, il n'y a pas la dynamique, en fait, de typiquement ici des tourbillons, pour faire des connexions beaucoup plus rapides et beaucoup plus euh, courtes dans, dans, en, en, en espace, et connecter ainsi donc, différentes régions de, de l'océan. Alors, je n'ai pas du tout mesuré en temps, donc, mais je pense que j'ai été ouais, relativement bavard, comme d'habitude. Et donc, juste pour conclure, euh, en fait, on s'est aperçu aussi que les plastiques, l'océanographie pour l'instant apprend plus des plastiques et du cheminement pour la dynamique que, que l'inverse. On n'a pas encore vraiment beaucoup d'exemples où les, les études utilisant vraiment les caractéristiques dynamiques de l'océan sont utilisées pour faire, en fait, essayer d'influencer en tout cas ce qui pourrait se passer au niveau de la collecte des plastiques. Et pour donc comprendre un petit peu mieux ça, on voit très bien qu'il y a un large aspect de processus physiques qui sont impliqués, et avec un rôle très important de la dynamique subméso, à subméso et à méso-échelle, qui nous permet d'avoir des temps de transfert ou de résidence qui sont beaucoup plus courts et des cheminements complexes ou réduits en termes de distance par exemple parcourue. Les différentes expériences qu'on a fait aussi ont montré qu'il y avait une très grande connectivité, notamment à l'échelle quasiment intra- ou trans-bassin océanique. Donc ça, c'est assez important aussi pour les gens. Il y a des gens, par exemple, le long des côtes africaines de l'Afrique de l'Est, qui sont submergés de plastique, par exemple, mais dont l'origine, effectivement, n'est pas du tout de leur côte. Et ces plastiques ont fait un long cheminement, souvent depuis les zones du sud-est asiatique à travers l'océan Indien. Et c'est aussi un projet sur lequel on travaille actuellement. Et puis, bon, pour finir, donc, les modèles de dispersion devront être un petit peu plus compliqués que simplement utiliser le plastique comme étant un, un traceur passif. Donc, qui n'a pas d'évolution. On sait très bien que le cycle de vie des plastiques dans, le, dans les océans est particulièrement complexe, puisqu'ils vont être capables d'évoluer sur différentes formes, éventuellement d'être fragmentés, de, 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 de subir en fait la dynamique aussi verticale de beaucoup plus importante une fois transformée. Et donc cette approche de source puis transformation euh, va devoir être prise en compte, et avec aussi les interactions avec le biota et les cycles biochimiques. Et là aussi, on a une collègue au laboratoire qui travaille sur ces aspects-là. Juste pour finir, ma dernière slide, euh, pour vous revenir un petit peu à mes actions IRD aussi, hein, puisque c'est un petit peu le, le cœur de mon métier aussi à l'IRD, c'est travailler pour les communautés du Sud et on a mis en place donc, un GDR ou un IRN maintenant qui s'appelle euh, donc de coordination d'un réseau de coordination euh, euh, scientifique internationale donc avec différents pays euh, impliqués, où on essaye effectivement de mettre en réseau euh, tous ces gens-là pour essayer de mieux comprendre les échanges qui peuvent être intéressants pour essayer d'appliquer eux-mêmes, souvent dans leur propre pays, évidemment, les outils qu'on peut mettre en place et qu'on peut essayer de mieux comprendre pour essayer de caractériser cette, cette pollution en particulier. Et ça s'est traduit notamment l'année dernière par la mise en place d'une école d'été sur les méthodes de la gêne donc être capable pour ces gens-là d'acquérir les, les, les bases et puis les aspects pratiques euh, de ces outils de lagrangien pour suivre un petit peu éventuellement les pollutions dans, dans leur propre pays. Et il y aura effectivement une autre session cette année euh, basée sur ça. Et je pense qu'au-delà des références, voilà, je vous ai mis ici quelques livres euh, qui sont intéressants. Et j'en ai fini. Merci beaucoup, Christophe. Euh, alors, est-ce qu'il y a des questions déjà sur, sur, sur cet exposé on pourra revenir à une session de questions générales après les deux exposés, mais s'il y a déjà des questions maintenant, n'hésitez pas à les poser, que ce soit en donnant la parole ou dans le chat. Oui, Pierre. Oui. Est-ce que vous m'entendez Oui. Ok. Bah, euh, merci beaucoup, Christophe. J'ai trouvé euh, super, vraiment super intéressant l'exposé le, euh, et euh, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je. Je me demandais si... Euh, donc là, là vous, faites des, 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 enfin vous utilisez des, des simulations de courant pour, pour advecter les, les particules. Vous comparez aux observations pour voir si, si ça colle à peu près. Est-ce que vous en êtes au, à essayer de coupler les, les, les sorties modèles avec les, les observations par assimilation de données ou alors est-ce que c'est est trop tôt encore c'est relativement tôt, j'ai vu très peu d'études, je crois que j'ai vu qu'une seule étude qui essaye de faire ça. Euh, la difficulté, c'est que tu imagines bien que dans les techniques d'assimilation de données, en général, faut... c'est assez difficile de partir avec un jeu de données qui est aussi hétérogène. Et euh, ce n'est pas parce qu'il ouais, y aura eu une campagne, par exemple à l'échelle d'un bassin, qui va avoir mesuré euh, des plastiques à un instant donné, souvent, euh, qu'on pourra aider le modèle à mieux... Euh, à mieux euh, à mieux simuler ça. Je pense qu'il y a peut-être des choses qui seraient plus à voir en utilisant, je vais des drifters, donc des, des bois dérivantes, euh, mmh. qui seraient intéressantes de ce point de vue-là. Et ça, ça peut-être euh, été fait, mais j'avoue que je n'en ai pas connaissance. D'accord. Si, et, et si, si, je... oh. si je peux compléter, Pierre euh, et Christophe, euh, en fait, il y a eu une espèce d'inversion euh, de tout, toutes les sources, tous les paramètres, etc., qui a essayé de voir quel était le... L'ensemble de ces processus avec les valeurs les plus probables euh, à l'échelle globale. C'est un papier, euh, je pourrais te donner euh, les références. C'est assez récent, hein, c'est l'année dernière. Et l'idée, c'était qu'il y a tellement d'incertitudes à... sur tous les aspects qu'ils ont essayé de voir qu'est-ce qui était le plus en accord avec les observations. Et Bon, ça apprend peut-être euh, des choses, mais il euh, faut bien voir qu'il y a des compensations d'erreurs à, à, à tous les niveaux et que l'exercice est encore un petit peu compliqué. Mais ça, ça va un peu dans le sens d'une espèce d'assimilation de données. Quoi. Voilà. OK, OK. Parce que là, euh, à ce stade, j'ai du, du mal à voir, en fait, euh, à part la, la, la résolution de, de la simulation. Euh, quelles sont les, les sources d'incertitude. Euh, ju juste en voyant le, la, la, la présentation, on ne peut évidemment pas, pas tout euh, expliquer. Mais bah alors, attends, tu... ma pr... attends ma présentation. ouais voilà. voilà. <laughs> Et en fait, j'avais aussi une autre, une autre question à encore, Christophe, c'est euh, sur le fait, bah, en fait, les simulations qui sont utilisées sont plutôt résolues de manière eulérienne. Et euh, je me demandais si, si euh, advecté de façon euh, lagrangienne, en fait, il on, 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 bah, euh, y avait, il a finalement une, une espèce d'incohérence euh, euh, entre les deux. Et est-ce qu'on arrive à quantifier en fait euh, l'erreur le, du passage de l'ulérien au l'agrangien Ou est-ce que ça a pas de sens ce que je, ce que je dis là Je ne vois pas où serait la source d'erreur. En fait, c'est deux visions de la même chose, c'est la, la dynamique océanique. Elle est représentée par des différents types de processus. Tu, tu as vu qui ont différentes échelles spatio temporelles. Et en oui. fait, tu vas, tu vas pas appréhender. Euh, L'outil va être différent selon que tu vas considérer le lérien ou le lagrangien. Mais pour moi, c'est deux visions de la même de la même dynamique, quoi. Ouais, oui, oui, mais euh, euh, en fait, de, de, de résoudre les modèles de façon lérienne, et ensuite, euh, d'advecter de façon lagrangienne, je me disais peut-être que. Euh, non, non, mais enfin, je ne m'y connais pas bien là-dedans. Donc, euh, je, c est, c est, je me demandais si, euh, entre ces deux paradigmes-là et le passage de l'un à l'autre, on ne on, on perdait pas, euh, euh, perd pas de, de l'information. Euh... On perd l'aspect mélange vertical, ou mélange, tout simplement. Oui, il n'y a pas de. Ce côté, en fait, le seul, une chose qu'on peut reprocher, effectivement, l'approche que nous, on utilise souvent dans Lagrangien, qui permet effectivement de faire du backward et du forward dans, dans le temps, c'est effectivement qu'on ne prend pas les processus diffusifs à très petite échelle et effectivement d'intégration temporelle. Quoi. Okay. Et, et de diffusion, oui. Et de diffusion. Ok, OK. Bah, merci. merci beaucoup encore pour la présentation. Oui, il y avait une question de aussi. Oui, euh, bah merci beaucoup pour l'exposé. C'était super intéressant. Euh, J'ai une question plus de, pour ma culture générale. Euh, je, je fais un peu de dérive lagrangène sur les euh, larves de poissons, notamment sur une espèce sur laquelle je bosse qui s'appelle Languille, qui a une, une dérive larvaire euh, de 5-6 000 km. Et donc, j'étais intéressé par les, euh, les points que tu as évoqués sur euh, les vitesses de, de, de déplacement à différentes échelles. Et je me demandais notamment sur euh, donc, euh, ce qui est tourbillon euh, que tu montrais à des échelles, donc c'est au 32e degré, si je ne dis pas de bêtises, euh, à quel point c'était euh, persistant et récurrent dans le temps, selon les années, ces structures euh, de tourbillon. Euh, est-ce que ça... ouais, voilà, est qu'on retrouvait toujours les mêmes, tous les ans, à peu près au même endroit euh, Du coup, les... ça impacterait sensiblement des, euh, des... des espèces qui dérivent ou, ou du plastique qui dérive. Ou est-ce que c'est très aléatoire et, au final, et un peu plus imprédictible alors, en, en fait, c'est l'exemple que je n'ai pas montré ici, par exemple, on a fait une étude sur l'intérieur de, de ces gires de, de convergence pour voir si effectivement c'était des choses qui arrivaient et qui après ne bougeaient plus. Et on a trouvé par exemple dans le Pacifique Sud qu'il y a des portes de sortie, ce qu'on avait appelé des portes de sortie, depuis le cœur de ces zones de convergence vers les côtes, à travers des courants qu'on qu appelle les striations, qui sont effectivement hein, des courants moyens que l'on retrouve. Parce qu'ils sont liés au, au chemin privilégié des tourbillons. C'est-à-dire que les tourbillons, il y en a partout dans l'océan, mais en fait, il n'y en a pas partout de façon aléatoire. Ils sont quand même organisés et ils se passent souvent par les mêmes chemins. Et au fait, en passant par les mêmes chemins, ils créent des potentiels de, de courants, finalement, qui connectent de, des petites régions, euh, de l'ordre de quelques centaines de kilomètres. Mais typiquement, dans le Pacifique Sud, ça permettait de connecter la zone de convergence du Pacifique Sud avec les côtes chiliennes et péruviennes. Donc, effectivement, euh, alors ça, c'est l'approche lagrangène que beaucoup de gens utilisent. Euh, pour comprendre ou pour voir les structures qui sont en, en fait cachées dans la dynamique olympienne qu'on ne voit pas forcément de façon évidente et qu'on va utiliser euh, donc des outils lagrangiens pour mieux voir en fait ce genre de choses il y a des, des, des moyens de détecter les structures cohérentes hein, les LCS les lagrangian coherent structures dans, dans l'océan avec euh, les, les méthodes euh, olympiennes enfin, appliquées à des courants olympiens et on retrouve potentiellement effectivement des petites structures qui peuvent être un petit peu annuels, ou en tout cas avec une variabilité saisonnière souvent, et qui permettent de montrer qu'effectivement, il y a des chemins qui vont être activés pratiquement chaque année de connexion entre les deux. Et ça, ça va dépendre un petit peu aussi des échelles auxquelles tu vas être capable de les reproduire dans les études Eulerian. OK, super, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut prendre encore une ou deux petites questions si vous en avez Sinon, on va, on va donner la parole à Thierry pour le prochain exposé. Merci. Merci Essafriar. On a mis euh, donc dans les dans la le discussion, ouais. on a mis la référence là, si vous voulez regarder en fait. Oui, merci pour la référence. Du coup, je peux partager mon écran, normal bah, Oui. Euh... Alors, c'est oui. Ouais, super. Ok. Alors euh, voilà. Donc moi j'ai. Merci beaucoup Christophe pour cette euh, présentation parce que ça me donne euh, plein d'éléments pour, je pense, mieux comprendre euh, celle, la, la présentation ouais. un peu peut-être un peu plus euh, technique ou je sais pas. En tout cas, plus sur les incertitudes. Donc avant de parler des incertitudes, c'était bien parler un petit peu de ce qu'on essaye de faire et euh, des chiffres un petit peu sur la pollution. Donc euh, merci aussi à Pierre euh, de nous avoir euh, invités à parler de ce sujet. C'est pas mal des fois de reprendre du début pour euh, faire comprendre euh, le problème à une autre communauté, effectivement. Alors, euh, donc, moi, ce, que je, ce dont je vais vous parler, c'est de la modélisation euh, de, des processus de convergence et euh, de dispersion des plastiques dans l'océan global, et je vais m'attacher à ce qui me semble avoir un lien avec les statistiques sur euh, différents aspects euh, que donc, voilà dont on va parler dans le plan alors c'est évidemment un travail euh, qui est en commun on est on est beaucoup au euh, laboratoire à travailler enfin on est pas mal à cette travailler sur cette thématique même si euh, le, le spécialiste euh, on dirait que je pense que c'est quand même Christophe euh, c'est une thématique qui est assez récente au, au laboratoire de sonoraphie physique et spatiale euh, qui date d'une petite dizaine d'années euh, et puis, voilà, on est euh, inclus, Christophe Maes et Bertrand Chapon font partie d'un working group euh, sur euh, les débris marins en mer. Euh, c'est une thématique qui est assez attractive ou sur laquelle on a beaucoup de, de demandes de, de stages. Et, et, et du coup, bah, c'est assez aussi sympa de partager cette thématique. Et puis, on a des collaborations avec le, les labos de biologie et de biochimie euh, et puis les autres laboratoires d'océanographie de, de euh, en France. Il y avait un, on travaille dans le cadre d'un GDR Polymère et Océan qui depuis cette année s'appelle maintenant plastique, environnement et santé. Alors, bon, donc, je vais vous parler de ce qui me semble être les sources d'incertitude majeures dans le travail qu'on fait, qui sont la quantité de plastique qui entre dans l'océan, la quantité de plastique, qu enfin l'espèce d'inventaire de la quantité de plastique dans l'océan et son évolution. Euh, je vais parler de la, bah voilà, de la, des méthodes, mais là, ce euh, sera assez redondant avec ça fait euh, Christophe, mais je vais essayer de, de, de parler d'autres aspects. Et puis, euh, voilà. Et puis, cette histoire de plastique, c'est aussi un prétexte pour apprendre des choses sur la dynamique de l'océan, avant de conclure. Euh, alors, donc ça, bah, euh, voilà. Christophe l'a très bien présenté, euh, c'est le troisième matériau le plus utilisé au monde. Euh, la quantité produite par an, c'est à peu près le poids de l'humanité. Donc voilà, on génère une quantité de plastique euh, produite par an qui est égale à notre poids, ce qui est assez inquiétant, sachant que en réalité euh, très peu est recyclé, et que donc euh, quand c'est pas incinéré, ce qu'on appelle la valorisation énergétique ou euh, enfoui, euh, ça risque de partir euh, dans l'environnement. Alors euh, les estimations, bah, on va voir, elles sont assez variables, hein, mais euh, bon voilà, malan en mal en, c'est peut-être 1 à 3 de la production annuelle qui part dans l'océan, soit l'ordre de 1 million de tonnes par an, même si on va voir que cet ordre de grandeur est très discutable. Alors, euh, une, une figure qui synthétise un petit peu d'où vient le plastique et où il va dans l'océan, c'est une figure qui date de 2016. Et voilà, je pense que tous les chiffres qui sont là-dessus, probablement qu'on ne les connaît pas à un facteur sans prêt. Alors en tout cas, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a une, une, une grande diversité des sources, ce qu'on appelle le mismanaged plastic waste. Il euh, euh, y a des, des sources directes des populations côtières. Euh, quand il y a une mauvaise gestion des déchets, euh, ça peut être des décharges à ciel ouvert euh, qui partent avec le vent euh, directement à la mer. Mais c'est surtout aussi la, les fleuves, les bassins versants qui drainent toutes sortes de saletés, entre autres beaucoup de plastique euh, vers la mer. Et il y a aussi les activités en mer qui sont euh, la pêche, euh, je sais pas, la, la production euh, d'hydrocarbures euh, et puis le transport maritime. Mais il y a aussi des sources qu'on connaît euh, beaucoup moins bien, qui sont par exemple euh, les euh, sources atmosphériques, les apports par le vent de particules euh, très fines, qui sont euh, l'érosion des pneus, l'érosion des plaquettes de frein, etc., et qui amènent euh, toutes sortes de poussières euh, à la mer et sur lesquelles on a une vision euh, enfin, assez, euh, bon, assez peu précise pour le moment. En plus, ben, il y a une diversité de plastiques, qui sont euh, la diversité des polymères. Euh, les plus courants, euh, polypropylène, polyéthylène, polystyrène, euh, flottent, mais il y en a pas mal d'autres qui coulent, et donc on ne va pas retrouver euh, au même endroit dans l'océan. Euh, il y a aussi euh, cette diversité de taille et de forme entre des, des trucs qui font euh, quelques centaines de mètres de long, comme des filets dérivants. Euh, des caisses de pêche, de crier, etc., et, euh, jusqu'aux microplastiques, euh, les granulés tels qu'ils sont produits euh, dans l'industrie, euh, les fibres qui viennent de nos machines à laver euh, quand on lave des vêtements en polyester et qui ne sont pas filtrés dans les stations d'épuration, et puis euh, des nanoplastiques qui euh, proviennent directement de sources euh, primaires, mais aussi de toute la fragmentation et la dégradation des plastiques plus grands et qui sont un peu plus difficiles à, à mesurer. Euh, et puis, de, du coup, euh, la densité, la taille et la forme de ces particules, elle va déterminer leur vitesse verticale. Et donc, il euh, y en a qui sont positives et qui vont amener la particule à flotter à la surface, ou proche de la surface s'il y a beaucoup de turbulences, ou euh, à euh, couler euh, vers le fond. Et là, on va les retrouver au fond. Mais là, c'est encore la partie qu'on va voir le moins. Parce que euh, à part d'imagerie, euh, au fond, on n'a vraiment pas un bon inventaire des plastiques qui sont au fond de l'océan. Alors voilà. On, donc on voit qu'il euh, y, y a plein de petits plastiques là qui sont euh, au centre de la, de la figure, euh, qui arrivent directement dans l'océan et qui viennent de euh, toutes sortes de, de produits. Euh, un des plus, une des plus grandes sources, c'est probablement la l'usure des, des pneus de voiture mais ça peut être aussi bah, directement les pertes de, de granulés ou les textiles, les, les peintures, les cosmétiques, etc. Alors, il euh, y a eu en 2015, je pense, la première estimation globale de la quantité de plastique qui arrivait dans l'océan. Et toutes ces approches sont des approches socio-économiques avec beaucoup de statistiques. Alors, en 2015, l'inventaire donnait à peu près... Euh, 275 millions de tonnes de plastique euh, générée, euh, et, euh, par euh, voilà, le, de déchets plastiques générés par les populations côtières euh, avec euh, probablement un, une quantité euh, qui partait dans l'océan de, euh, de 5 à 12 euh, euh, millions de tonnes euh, par an. Alors, euh, bon, on, va, on va voir que ça, ce chiffre posait problème parce que euh, c'est euh, probablement beaucoup plus que, euh, que l'inventaire des plastiques qu'on avait. Dans ces euh, 12, 5 à 12 millions de tonnes, il y en a probablement la moitié qui flotte. Et donc, euh, c'était surprenamment euh, beaucoup par rapport à ce qu'on pensait être la quantité de plastique flottant à, à la surface des océans. Alors voilà, ça c'est la figure un petit peu de la quantité de déchets plastiques générés par les pays là, donc, qui ont une, côte, une frontière maritime. Et donc on voyait que les pays d'Asie, c'était des, 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 des gros contributeurs à, à la pollution selon ces indicateurs, ces estimations. Et puis ça pointait du doigt à un certain nombre de pays. Euh, D'où euh, bah, les préoccupations de l'Indonésie, qui est quand même un, un pays assez touristique, sur, euh, euh, voilà, qui ne voulait peut-être pas être identifié comme un des ce, le second producteur de déchets plastiques euh, pour l'océan. Euh, alors, oh, tiens. Euh, ouais, j'ai un problème hein. OK. Euh, alors, euh, deux ans après, il y avait une estimation des sources. Euh, de plastique pour l'océan à partir des rivières. Donc, ça, c'était aussi une étude euh, qui euh, prenait en compte euh, bah, des indicateurs euh, sociaux et euh, économiques sur euh, la quantité de plastique euh, euh, qui n'était pas traitée, euh, la, voilà, la production par, euh, par, par habitant selon les pays et euh, aussi le débit euh, des fleuves. Et euh, voilà, donc là aussi, eh ben, on se retrouvait avec euh, entre 1 à 2 millions de tonnes de plastique euh, qui entraient euh, dans les océans, euh, estimés, à partir des rivières. Et puis, euh, les 20 euh, rivières les plus polluantes étaient euh, en Asie et représentaient 67% du total global des apports euh, de plastique euh, à l'océan. C'est des chiffres euh, voilà, assez, euh, fa assez faramineux, mais ce n'est pas tellement euh, facile à, à évaluer. Donc euh, euh, quatre ans après, euh, une étude plus récente euh, sur avec les nouvelles, toutes les nouvelles observations qui étaient disponibles, mesures qui avaient été faites dans les rivières, eh ben, euh, concluait que ce chiffre était peut-être plutôt de 6,6 1000 tonnes, 6600 tonnes par an, soit euh, mille fois moins que l'estimation euh, précédente. Et, et en fait on voit que enfin, euh, cette étude elle, elle montre tous les facteurs d'incertitude pour l'estimation euh, des sources. Euh, et euh, par exemple, euh, alors, voilà, donc, pardon, avant de voir tous les facteurs qui pouvaient être euh, euh, modifiés, eh bien euh, là ce seraient les nouveaux, euh, voilà, les nouvelles sources et on voit que peut-être que finalement euh, voilà, ce n'est pas nécessairement que euh, l'asie, qui contribuent à ces facteurs. Alors, euh, alors c'est quoi les, les paramètres qui ont permis d'avoir de, des estimations aussi différentes euh, Donc c'est des méthodes statistiques qui travaillent sur des données euh, qui sont euh, les mesures de microplastiques euh, relevées euh, à, à la sortie des rivières. La plupart du temps, ce sont des mesures qui sont faites euh, en, en comptage et pas nécessairement en poids. Donc il y a, si on veut des sources euh, en, en poids euh, par mois ou par an, eh bien, il va falloir faire une conversion du nombre de particules en masse. Les particules, elles ont pas toutes la même taille. Suivant euh, le filtre, la filtration qui est effectuée, si on filtre les particules à 0,3 mm ou 0,1 mm, on se retrouve par exemple avec deux fois plus de particules. Euh, si on applique des facteurs de conversion en poids euh, à des nombres de particules... Ils ne sont pas euh, ceux de la taille considérée, ben on a rapidement des erreurs euh, de d'un facteur 10. Alors, à, en fait, à, à chacune de ces étapes de conversion, quasiment, il y a une incertitude d'un facteur 10. Euh, et du coup, à la fin, eh ben, euh, quand on essaye d'avoir euh, une estimation de la quantité rejetée par toutes les rivières, alors qu'il n'y en a peut-être qu'une centaine qui ont été vraiment mesurées, eh ben, euh, si on n'a pas le bon proxy ou le bon indicateur euh, prédictif, qui peut être soit la population du bassin versant, soit euh, l'indice de développement, soit euh, la quantité de plas plastique plastic waste, et ben, on se retrouve à la fin avec des estimations qui sont complètement différentes. Et, et je pense que prendre conscience de l'incertitude qu'on a sur ces sources dans l'océan, c'est assez fondamental pour euh, tout ce qu'on peut faire euh, après. Voilà. Donc pour synthétiser... Eh ben, entre les études de Jean Beck 2015 et puis les dernières là, de, de Lisa Weiss, eh bien, on a, euh, voilà, ça c'est en échelle logarithmique la quantité euh, euh, des, euh, comment dire, euh, euh, qui arrive à l'océan en millions de tonnes par an. et eh bien, on a euh, ces valeurs là qui étaient à 5 à 12 à des valeurs de euh, voilà mille, mille fois plus, plus faibles. Alors, euh, euh, l'étude dont je parlais là tout à l'heure en réponse à la question de Pierre, qui était une étude, une espèce d'inversion, euh, qui essayait de voir quels étaient euh, tout, tout, tous les facteurs d'incertitude, qu'est-ce qui était le scénario le plus cohérent avec les observations, eh bien, euh, montrait que c'était probablement peut-être un peu au milieu, là, autour de cette estimation. Alors, le, donc, voilà, mon, mon seul problème avec ce papier, c'est que euh, l'auteur, l'auteur de cette estimation-là, qui est à peu près euh, à 0,1 euh, million de tonnes, enfin 100 000 tonnes par an bah, elle faisait partie des auteurs de l'inversion mais à part ça euh, voilà, tout était probablement très objectif. Alors euh, deuxième question: quelle est la quantité euh, totale de plastique euh, dans les océans alors on revient à ce problème général qui est pardon, euh, que bah, les plastiques ils sont sous plein de formes différentes donc il y a ceux qu'on va retrouver proche de la surface mais pas nécessairement que à la surface, parce que euh, suivant l'agitation des vagues et le vent, eh ben on va les retrouver répartis sur une couche d'eau de euh, un, 10 cm ou peut-être un mètre ou quelques mètres. Euh, il y en a d'autres qu'on va retrouver au fond, pour lesquels, euh, pour le moment, je, moi, je, je, je n'ai pas vu d'inventaire euh, complet, mais il en existe peut-être. Hein. Euh, il y a euh, la large spectre de taille et de forme qui fait que quand on mesure une quantité eh bien, euh, un nombre ou un poids, bah, ça dépend du filtrage, de la taille du filtre qu'on applique. Et effectivement, souvent, bah, si on divise euh, la taille de la maille du filtre par euh, 3, par exemple, typiquement entre 0,3 mm, qui était le plus classique jusqu'à maintenant, et 0,1 mm, bah, on a deux fois plus de particules, bien sûr euh, moins lourdes. Euh, voilà, la densité et la taille des particules qui conditionnent leur vitesse de chute. Ensuite, bah, les plastiques dans l'océan, ils sont soumis à... Euh, d'exposition aux UV, un brassage mécanique avec les vagues qui fait qu'il bah, y a une dégraciation physique et chimique, une fragmentation, la relargage de tous les additifs, etc. Mais il y a aussi euh, la formation d'un film biologique autour des particules qui va commencer à affecter la flottabilité des particules, dont la principalement flottante, et puis qui va les faire couler. Et puis bah, une fois qu'ils sont plus à soumis à la lumière, bah, ce film... Euh, biologique va se reminéraliser et on ne sait pas très bien ce que ces, parti ce ces particules vont devenir. Ces processus-là, il y a eu des études qui ont été faites en mer et ça peut être extrêmement rapide. Enfin, c'est même surprenamment rapide, mais c'est peut-être des zones qui sont particulièrement actives biologiquement. Mais en, en quelques semaines, euh, une particule plastique, elle peut être couverte d'un film de, de, de biologique et puis euh, couler, disparaître de la surface. Et puis, ben, une fois qu'on est sous des formes de petites particules, enfin ou même euh, micro et macro euh, et eh bien il y a toutes les interactions avec la, la faune euh, marine, et donc euh, prédation, excrétion, et puis euh, une fois que c'est dans des boulettes fécales, je ne sais pas si on dit ça, c'est plutôt pour les animaux terrestres, mais euh, je, voilà, il y a de l'agrégation qui fait que les particules se collent entre elles et puis euh, changent leur vitesse de sédimentation. Euh, et tout ça euh, avec quand même globalement assez peu de mesures. Donc euh, comme je vais le montrer... Euh, tout De suite, c'est que ben, les mesures du plastique en mer, c'est relativement long à faire. Euh, ça ne se mesure pas avec une sonde comme on fait en océanographie physique euh, qui mesure la température quasi instantanément et qu'on promène de la surface au fond et qui nous donne des profils de température. Mais là, en fait, il faut prélever. Donc souvent, c'est avec des filets à plancton en surface. Mais dès qu'on veut une pas en surface, il faut faire du pompage et de la filtration à différents niveaux. Et puis après, il faut séparer la partie organique de la partie plastique et puis compter au binoculaire. Et puis, si on veut identifier le type de plastique, euh, voilà, c'est des méthodes techniques euh, voilà, qui sont assez lourdes. Et donc, euh, typiquement, euh, analyser un filtre, c'est probablement une journée de travail. Euh, alors, euh, voilà. Donc, ça, c'est les mesures qui avaient été euh, publiées en 2014 dès euh, la compilation de campagnes de mesures de plastique en, en surface à partir de filets Manta, tel que c'est illustré là en, en haut à, à gauche. Euh, donc, voilà, c'est le filet Manta. Sa maille typique, c'était 0,3 mm. Euh, ça a une ouverture de 50 cm. Euh, et c'est une épaisseur de 10 cm, donc ça prélève vraiment la couche de surface, euh, donc, euh, donc on traîne ça sur un kilomètre, et puis on, voilà, on collecte tout ce qui a été euh, ramassé au fond du filet, et puis euh, on sépare euh, organ... le plancton du, euh, du plastique, et puis après on compte les morceaux de plastique, on leur taille, etc., ou après on les identifie Donc euh, on, on voit qu'il y a quand même, dans ces mesures, une espèce de convergence au niveau de la bande de latitude de 30 degrés nord et sud qui est le milieu en gros des, des tourbillons subtropicaux euh, et puis euh, les estimations euh, de cette quantité totale en surface donnaient des valeurs de l'ordre de 150 000 tonnes ce qui, suivant les estimations du rejet annuel, en tout cas, peut être très inférieur au rejet annuel tel qu'il avait été autour du 1 million de tonnes, là, qui était quand même largement publié dans, dans la littérature. Donc, ça, ça pose quand même des questions. Alors, quand on voit ces figures, on se dit, bah, oui, quand même, on n'a pas échantillonné beaucoup de l'océan global. Je ne sais pas, comme disait Christophe, en quelle année il faudrait remonter en océanographie physique pour avoir aussi peu de mesures de température, mais probablement il y a deux siècles, quoi. quelque chose comme ça. Donc, ça montre aussi que c'est une thématique quand même assez récente et c'est des matériaux qui ont été produits en gros que dans les 50 dernières années. Alors. Euh, plus récemment, il y a eu une compilation, donc ça, Pressoff Pré a présenté ses figures, de, tous ces, euh, de toutes ces mesures. Euh, donc, euh, plus récentes, on voit qu'il y a des nouvelles euh, sections euh, un petit peu dans, dans l'océan Indien. Ça s'est beaucoup densifié le, dans les, le long de la côte asiatique, la ja du Japon, le Kuroshio, euh, euh, dans l'ouest de l'Atlantique, et puis aussi dans le, la, ce qu'on appelle le. le, euh, le, le euh, anglais, bon, peu importe, euh, dans le nord du, dans le Pacifique Nord, Great Pacific Garbage Patch. Euh, alors, multi-level dans le titre de cette publie, c'est pas euh, que c'est à différents niveaux sur la verticale, comme je le croyais au départ, mais c'est en fait c'est juste différents niveaux de traitement de, de qualification des, des données. Euh, jusqu'à en faire des climatologies mentuelles, etc. Malheureusement, ce n'est que des données en surface. Euh, alors, on arrive à un inventaire de voilà, 24 10 puissance 12 particules entre 0,3 et 5 mm qui doivent peser en gros entre 82 et, j'ai un doute, 578, euh, si c'est ça, euh, 1000 tonnes de plastique. C est, c est, du coup, toutes ces estimations, elles sont assez euh, cohérentes. Euh, alors, ce qu'on voit, c'est que quand même en... De 2000, pardon, le précédent c'était 2014, 2021, sept ans après, le nombre d'observations il n'a pas énormément augmenté. On n'a pas couvert une, une grande partie nouvelle du, du globe, euh, notamment euh, des sections où on pourrait imaginer que ce soit intéressant. Alors c'est mentionné dans le papier de, de, de Isobe, c'est que l'océan Indien est relativement peu couvert d'ailleurs, mais on pourrait dire aussi euh, pareil pour l'Atlantique Sud. Euh, euh, les, les sections 30 nord 30 sud qui sont euh, celles où on concentre probablement la plus grande quantité du plastique euh, on, on va voir pourquoi ben, non plus etc donc euh, bon, voilà il y a, y a pas mal de mesures encore à faire et puis euh, c'est pas vraiment à partir des mesures qu'on peut essayer d'estimer une quantité totale en surface euh, fiable parce que la couverture spatiale elle est vraiment beaucoup trop lâche donc en fait euh, les, jeux, les gens ils, voilà, ils sont ils ont cherché des espèces de méthodes de mixtes modèle donné pour essayer d'estimer la quantité totale de plastique en surface. Donc, euh, alors c'est pas de la simulation de données, c'est un peu plus rudimentaire. Euh, c'est euh, essayer de caler un modèle euh, numérique là, comme a pu montrer euh, Christophe, avec les observations, histoire d'avoir une meilleure estimation par bassin. Et, et comme ça, donc, euh, là une publie en 2014, mais il y en a eu d'autres, euh, arrive à 5 10 puissance 12 euh, Morceaux, enfin, morceaux de plastique, euh, particules de plastique dans l'océan euh, pour euh, à peu près 250 000 tonnes. Donc on voit que euh, voilà c'est quand même ça reste beaucoup moins que ce qu'on pensait être euh, l'apport euh, annuel d'un euh, ordre de 1 million de tonnes par an. Donc c'est quand même un petit peu surprenant, ça veut dire qu'en gros les plastiques ils disparaîtraient très, très très vite de la surface, ce qui est... Ce qu'on qu ne sait pas, hein, euh, je pense clairement, mais euh, c'est clair qu'il y a eu des morceaux de plastique qui ont pu être datés dans le Great Pacific Garbage Patch et qui avaient plus de 10 ans. Donc on sait qu'il y a des plastiques qui peuvent rester en surface dans l'océan beaucoup plus longtemps que, que, quelques, que moins d'un an. Quoi. Alors, euh, alors cette étude, elle, elle était intéressante parce qu'elle elle essayait de faire l'inventaire en nombre, à gauche, et puis en, en poids, de 4 type de taille de plastique entre 0,3 et 1 mm, 1 mm euh, en haut à gauche, en haut à, à droite, et puis en bas c'est euh, 5 à, à 25 mm à 20 cm, et puis euh, les macroplastiques plus grandes 20 cm. Alors on voit sur ces cartes, bon, qui valent ce qu'elles valent, hein, mais qui, euh, qui, ça on montre qu'en quantité, en nombre évidemment les petites particules euh, l'emportent, hein, sont largement majoritaires, mais en poids cette étude elle faisait penser que en fait, le gros du poids des plastiques dans l'océan, c'est euh, les macroplastiques et, euh, et moins les particules qui sont inférieures à 20 cm. Alors, bon, on peut dire que le côté intéressant de cette conclusion, c'est que, à la limite, les, les, ma les macroplastiques, c'est un peu ce qu'on a le plus de chances de pouvoir mesurer avec des systèmes euh, de, aéroportés ou éventuellement euh, au mieux sur euh, partir de satellites. Mais, euh, et, et par contre, ce n'est pas ce qu'on mesure souvent avec des filets Manta, puisque l'ouverture est, est souvent trop petite pour pouvoir ramasser ces plastiques-là. Alors, une autre étude l'année d'après est arrivée à des conclusions relativement similaires. Et donc, il y avait ce problème de voilà, est-ce que c'est possible d'avoir aussi peu de plastique en surface avec des sources aussi importantes Et peut-être qu'une voilà, des réponses, c'est que, bah, effectivement, peut-être qu'il y avait une énorme surestimation des sources et que euh, une estimation euh, comme les valeurs plus récentes là, de Liz et ses collaborateurs euh, sont peut-être plus réalistes et plus en accord avec les observations. Alors, euh, maintenant, euh, voilà. Bah, donc, ce dont on a parlé largement, Clisstock, c'est ce qu'on fait au laboratoire sur la modélisation du devenir des plastiques dans l'océan. Alors ben, voilà, ça, ça synthétise un petit peu euh, l'intégralité, enfin la quantité de processus qui affecte les plastiques, depuis leur rejet euh, dans l'océan à partir euh, des rivières ou des populations côtières. Et euh, ben, voilà, ils vont dériver en surface. Quand ils ne coulent pas, parce qu'ils sont plus lourds que, que l'eau, et eh bien plus denses que l'eau, eh bien ils vont dériver en surface. Et là, ils vont être affectés bah, par les courants marins, mais suivant leur forme et leur, leur densité, éventuellement par l'effet le, direct du vent sur la partie émergée mais ils vont aussi être affectés par les vagues euh, qui génèrent des mouvements mar marins, enfin moyens net qu'on appelle la dérive de Stokes. Et euh, bah, ensuite, il y a plein d'autres processus qui vont être leur euh, fragmentation, leur dégradation, euh, le mélange vertical par euh, la turbulence induite euh, par, par les vagues en surface. Euh, voilà, l'interaction avec la biologie qui risque de, les, de faire changer leur flottabilité, et puis et la colonne de pivot après toutes les interactions. D'acide, etc., qui peuvent avoir cimentation. Alors, euh, ben, ben, il y a quelques, quelques exercices qui ont essayé de considérer des euh, polymères de différentes densités, de différentes tailles, et euh, qui ont essayé de suivre leur concentration euh, euh, voilà. au cours du temps avec les sources telles qu'on les, les estimait. Euh, cet exercice a, est rendu un petit peu compliqué par, euh, ben, par, par tout. Quelle est la, 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 la gamme de taille qu'on considère, etc. Donc ça, c'est des expériences qui ont été faites avec des modèles numériques type, enfin, type océanique et puis un module qui gère des, des traceurs qui ont une dynamique propre qui va être leur vitesse verticale. En fonction de leur densité et de, enfin, de leur flottabilité. Et souvent, ça a été fait quand même globalement, pour le moment, à assez basse résolution, qui est euh, voilà, globale à l'échelle de 200 km, 2 de degrés de, de, de résolution, donc des boîtes de 200 km dans l'océan global. Alors, nous, ben, on a beaucoup travaillé en Lagrangien parce qu'on avait un outil qui se prêtait très bien à cet exercice-là. Donc, euh, alors euh, pour les plastiques flottants, bah, par exemple, c'est en deux dimensions. On suit la quantité de place, les, les particules plastiques uniquement à la surface. Donc, ça, c'est donc pour les polymères qui sont de basse densité, qui représentent probablement en gros la moitié des rejets euh, dans l'océan. Alors, bah, là, par exemple, voilà, c'est un exemple, mais ça, l'animation a été montrée par euh, Christophe. Euh, on, on, bah, là, par exemple, c'était on initialisait euh, des particules partout en surface, dans tous les points de grille, et puis le modèle numérique qui résout euh, euh, voilà, la position, la dérivée de la position par rapport au temps, c'est la vitesse à l'endroit où est la particule, à l'instant où elle est, et puis on utilise des courants de surface qui viennent de réanalyse euh, océanique euh, globale euh, qui nous donnent, là typiquement cet exemple c'était des données euh, voilà, à une résolution d'un quart de degré donc en gros 25, des vitesses tous les 25 km et puis à une fréquence de 5 jours et puis on suivait l'évolution de la concentration de plastique, donc là la couleur ça mesure euh, le nombre de particules par euh, point de grille. Euh, voilà. Il n'y a pas de valeur absolue, mais on voit que ben, l'Équateur est, est une région assez divergente en fait, hein, à cause des courants, enfin, des vents qui sont principalement euh, les alizés qui soufflent d'est en ouest. La dérive associée elle est à 90 degrés à droite du vent dans l'hémisphère nord, à 90 degrés à gauche du vent dans l'hémisphère sud à cause de la force de Coriolis. Donc l'équateur, c'est une région divergente, donc on transporte les plastiques vers le milieu des gires subtropicaux. Euh, et c'est voilà, la convergence des courants d'Ekman, c'est ça qui fait que les plastiques, en quelques années, ils se concentrent aux latitudes à peu près de 30 nord et 30 sud euh, au milieu des tourbillons subtropicaux. Alors on voit que les plastiques, ben, ils voyagent loin. Ici, il n'y a pas de. Bon, voilà, La seule manière dont ils peuvent disparaître du modèle, c'est s'ils sont collés à la côte, et ce que Christophe a appelé le pitching, l'échouage. Et dans ces cas-là, bon, voilà, ils disparaissent de la simulation. Mais on a quand même une grande partie qui arrive à se concentrer au milieu des gires. Et puis, si on évolue, fait évoluer tout ça plus longtemps, euh, eh ben, ça se concentre de plus en plus au, mi au milieu des gires. Mais comme il y, en a des, il y a des rejets en permanence qui viennent des côtes, ce qu'on ne modélise pas là, dans cet exercice-là, eh bien euh, on a des, des plastiques dans l'océan qui viennent, qui sont partout depuis leurs sources, principalement en Asie, mais aussi dans toutes les rivières euh, du monde, et jusqu'au centre, euh, on a un continuum des sources jusqu'au au milieu des tourbillons subtropicaux. Euh, voilà. Alors. Euh... On a plus spécifiquement regardé le rôle de, des vagues parce que c'est une question qu'on se posait voilà, au laboratoire. Il y a des gens qui travaillent sur les vagues et donc on peut calculer avec ça la dérive de Stokes. On peut calculer typiquement quelle est l'intensité de la dérive de Stokes par rapport au courant océanique et c'est loin d'être négligeable. Donc la dérive de Stokes, c'est le déplacement net dû aux vagues et c'est estimé à à peu près 1% de la vitesse du vent. Donc pour un vent de 10 mètres par seconde, qui est typique à la surface de, de, de l'océan, enfin 10 mètres, euh, ça fait une dérive de Stokes de 10 cm par seconde. Et l'intensité moyenne des courants océaniques, elle est dans cette gamme de, de vitesse. Donc on peut s'attendre à ce que ce soit un petit peu différent, parce que le, la dérive de Stokes, elle, elle est globalement dans le sens des vents. Mais euh, c'est surtout les vagues courtes hein, qui génèrent ces, cette dérive de Stokes. Et... Euh, donc, euh, elle, va, elle va être plutôt dans le sens du vent, alors que les courants océaniques, ils sont plutôt en général euh, à 45 degrés, enfin, dans l'hémisphère nord à 45 degrés à droite du vent, et puis plus on va en profondeur, hein, un petit peu plus encore à droite du vent. Euh, alors, là, on a fait un zoom sur euh, l'hémisphère sud, avec en haut euh, l'expérience de référence précédente, avec euh, voilà où, est, où allaient les particules. Euh, donc là, c'était à la fin de la simulation de je ne sais plus une vingtaine d'années. Et en, en, en bas, c'est euh, si les particules elles ne sont pas soumises uniquement au courant océanique, mais à la, au courant océanique plus la dérive de Stokes, tel que là aussi, on a des réanalyses de modèles de, modèle de vagues qui nous permettent euh, tous les jours, à peu près, toutes les 6 heures, d'avoir euh, la, la dérive nette euh, due aux vagues. Et on voit qu'il bah, y a des différences majeures sur euh, la localisation des, euh, du milieu des. Euh, des, des zones de convergence de, de ces plastiques, euh, notamment dans l'océan indien sud, on voit que alors qu'avec les courants océaniques on était plutôt le long de l'Australie la, et les particules partaient vers le Pacifique Sud, et eh bien là euh, le barycentre de tous ces points là, de particules plastiques qui revenaient globalement beaucoup d'asie, eh ils s'étaient déplacés vers l'ouest et puis les particules elles partaient plutôt dans l'Atlantique Sud pas, via le courant des aiguilles là au sud de, de l'Afrique du Sud. Et du coup, ça, une enfin, voilà, si, enfin, dans un scénario ou dans l'autre, ça a des conséquences énormes sur la quantité de plastique qui va être retrouvée euh, soit dans le Pacifique Sud, soit dans, dans l'Atlantique Sud. Parce qu'on faut garder en tête que les, grosses, les plus grosses sources, à 70% en gros, c'est probablement l'Asie. Alors tout part pas dans l'Indien et une partie part aussi dans le Pacifique Nord, mais euh, en tout cas, c'est une la source la plus importante de, de cette région. Voilà, alors euh, tout ça, c'était en 2D à la surface. Mais on a aussi fait des exercices en, en trois dimensions. Donc, là, l'hypothèse, c'est de se dire ben, ok, les particules les plus petites, qui sont les plus nombreuses, alors qui ne représentent pas le plus grand nombre de, la plus grande quantité en poids, mais en nombre, alors toutes ces fibres, par exemple, qui viennent des vêtements euh, poly, textiles en polyester, etc., elles sont euh, quasiment neutres parce qu'elles ont une surface mouillée qui est assez importante par rapport à leur volume, et donc elles ont quasiment plate flottabilité. Et en gros, elles su vont suivre euh, les mouvements euh, 3D. De, de, de la masse d'eau dans laquelle elles sont immergées. Donc là, ben là on, il va falloir on va faire des expériences lagrangiennes en 3D. Ariane, c'est vraiment prévu pour ça, hein, cet outil lagrangien. Donc on va utiliser des courants donc 3D, hein, euh, euh, qui dépendent de latitude, longitude et puis de la profondeur, qui viennent de simulations numériques et océaniques. Hein. Les sim simulations océaniques, elles, elles sont toujours en trois dimensions. Euh, et là, voilà, on avait fait un exercice assez euh, poussé avec une simulation au douzième de degré, donc une résolution à peu près de 8 km sur l'intégralité du globe, et puis je ne sais plus combien, 75 niveaux vert verticaux pendant 20 ans. Donc on a utilisé ces courants pour... Et puis on a essayé de mettre un, un scénario de relâcher de particules qui était plus réaliste que par exemple une concentration uniforme à la surface, en, en relâchant de manière continue des particules aux embouchures des fleuves, euh, proportionnellement. Euh, euh, à, euh, euh, aux émissions de déchets plastiques mensuels telles qu'elles étaient euh, données par une climatologie, euh, pa par euh, ce, ce papier-là qui était euh, euh, les émissions de, de, voilà, de plastique dans l'océan euh, en, en 2017. Donc là, euh, comment dire? Euh, on, voilà, on, on a des contraintes numériques un petit peu hein, même si ça reste des grosses expériences et qui s'est fait sur des moyens de calcul nationaux on avait euh, on a relâché en gros 10 millions de particules par an euh, sur 20 ans et à la fin voilà, on faisait des statistiques sur 200 millions de particules euh, on, sortait, euh, les, on gardait les positions des particules tous les mois parce qu'on s'intéressait vraiment euh, qu'au déplacement moyen de tout cet ensemble de particules et puis il n'y avait pas d'autre processus pris en compte qu'il n'y euh, avait pas d'échouage en 3D, euh, les, les vitesses sont non divergentes et donc il euh, n'y a pas de raison que les particules s'accumulent euh, enfin, ou, ou restent coincées à la côte. Euh, si elles arrivent proches de la côte, il faudra qu'elles partent par un moyen ou un autre, horizontalement ou verticalement. Et puis il n'y a pas d'autres puits comme qui seraient, je ne sais pas, dégradation, disparition, euh, euh, consommation par le plancton ou quoi que ce soit. Donc, évidemment, on accumule du plastique dans l'océan, mais c'est ce qui se passe. Hein. On, est en, on est en transitoire et donc actuellement, il y a de plus en plus de plastique rejeté à l'océan. Il y en a de plus en plus qui, qui s'accumulent dans l'océan. Alors, euh, voilà, je ne sais pas pourquoi. Je... Pardon. Donc, voilà. Alors, ça, c'est la concentration des particules dans cette expérience dans la couche de surface, donc il faisait un mètre d'épaisseur, en fonction du temps après le relâcher. Alors en haut à gauche, bah, on voit qu'on retrouve des concentrations, enfin euh, un nombre de particules assez important proches des régions sources, et puis au fur et à mesure du temps, un mois après, on voit que bah, voilà, petit à petit, par les courants occidentaux, ça se disperse. Alors, elle se dispersent en 3D, là on ne les suit que euh, dans la couche de surface, et on voit, ben bah, voilà, là, on voit rapidement bah, que les régions sources, bah, ça reste effectivement beaucoup l'Asie, mais aussi euh, le Congo, l'Amazon, euh, etc. Alors, au bout d'un mois, et puis en, la ligne du milieu, c'est au bout de trois mois, et puis au bout de six mois, et puis... Euh, en bas, c'est au bout de deux ans et, quatre, et deux ans, en fait, un an et deux ans. Et au bout de deux ans, ben, on voit que quand même, euh, ça s'est beaucoup dispersé dans l'océan et que euh, elles, ont, elles occupent une grande partie des, en tout cas, de l'océan -so indien. Euh, du dire, euh, elles sont bien rentrées dans le tourbillon subtropical du Pacifique nord et du l'Atlantique nord et de, de l'Atlantique sud également. Alors, une, une, ce qui est intéressant de faire ça en 3D pour ces particules neutres là, c'était de voir qu'en fait, en, en moins d'un mois on perdait 78% des particules de la couche de surface, donc, euh, principalement à cause des mouvements verticaux entre, euh, entre les différentes couches, hein, liés euh, ben, à la divergence des courants forcés par le vent, enfin plein de processus. Et euh, voilà, donc il y en avait 78% qui commençaient à, à rentrer dans la colonne d'eau et donc à, 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 voir, euh, à rentrer dans la circulation euh, générale euh, à, voilà, plus ou moins profonde. On va voir. Donc Maintenant, si on regarde en fonction de la profondeur, à la fin de la simulation, donc de 20 ans, euh, alors voilà, on va de j'ai perdu mon Hop. On, on va de la surface euh, au fond, alors euh, je ne vois pas le titre, mais voilà, en, la surface c'est en haut à droite, en haut à gauche c'est euh, la quantité intégrée sur la colonne d'eau, et puis euh, à 3 mètres, et puis à 23 mètres au milieu à droite, et puis en bas à euh, 628 mètres, pardon, je raconte des bêtises, et puis la dernière c'était à 2000 mètres de profondeur. Et on voit qu'autant en surface, ben, on a un petit peu ce qu'on voyait euh, en 2D, euh, euh, voilà, euh, concentration dans les tourbillons euh, subtropicaux, euh, jusqu'à 200 mètres, parce que c'est à peu près euh, ce qui affectait 20 mètres et 200 mètres, on peut dire que c'est un peu ce qui est affecté par euh, la couche de mélange, c'est l'approfondissement de la couche mélangée dans l'océan, en fonction de la turbulence euh, euh, et en fonction de la saison, et, etc. Et, bien, et en dessous, eh ben, euh, les zones, ce plus du tout ça, et on rentrait dans la circulation, dans ce qu'on appelle la ventilation de l'océan, euh, euh, alors, là, ça, c'est la formation des eaux modales, euh, voilà, à entre 200 et 600 mètres de profondeur, enfin, en dessous de entre 300 et 600 mètres de profondeur, de, euh, voilà, donc l'Antarctique intermédiaire, etc. Et puis, quand à 2000 mètres, on suit la formation des eaux profondes. Les régions où on, on injecte de l'eau de surface, propriété des eaux de surface dans l'océan profond, c'est euh, ben, principalement dans l'Atlantique Nord, et ça, c'est ce qu'on appelle le cheminement de l'eau profonde nord-atlantique. Donc, euh, océanographiquement, euh, cet exercice, il n'était pas nécessairement très intéressant, mais pour la communauté plastique, probablement que c'était intéressant de voir que les particules neutres qui arrivaient euh, même par euh, que les rivières et que le, les, les zones côtières et littorales, eh ben, petit à petit, elles rentraient dans la circulation générale de l'océan, on allait les retrouver quasiment euh, partout à toutes les profondeurs, euh, pas nécessairement partout dans l'océan, mais en tout cas à toutes les profondeurs assez rapidement. Euh, voilà, alors euh, bon, on, quand on fait ces exercices là, on peut se poser la question un petit peu de quelles seraient les choses qui seraient importantes d'améliorer pour avoir quelque chose de, de plus fiable. Alors, euh, moi je me suis pas mal concentré sur les processus euh, verticaux, c'était la première expérience un peu en, en 3D, donc c'était intéressant de, de le faire en Lagrangien, mais probablement qu'on peut se dire que euh, dans la. De mélange océanique qui peut faire entre euh, une centaine de mètres et puis euh, peut-être euh, dans les zones de convection euh, jusqu'à plusieurs centaines de mètres, bah, le mélange vertical il va être très très important. Et donc euh, pour les procès pour les plastiques qui seront très flottants, bah, ça aura moins d'importance, mais dès que les plastiques qui seront très proches, ils sont plus proches de la densité de l'eau de mer, et eh bien ce mélange il va être de plus en plus important et ça aura tendance à distribuer les particules euh, sur une couche de disons 100 mètres de profondeur et du coup ils seront elles seront pas soumises au même courant horizontaux, et les zones de convergence risquent de ne pas être tout à fait les mêmes. Alors, horizontalement, bah, il y a tous ces processus d'échouage que là, par exemple, on n'a pas pris en compte, mais qui commencent à être paramétrisés dans, dans certains modèles, plus à petite échelle, euh, d'ailleurs, dans des modèles côtiers et littoraux que, euh, à grande échelle. Et puis une fois qu'on s'est échoué, bah, éventuellement on peut euh, éventuellement être repris par la mer et repartir dans la circulation. Donc tout ça, c'est des paramétrisations qui peuvent être de tout type, hein, stochastiques, etc. Alors euh, nous, on, bah, on a une forte composante vague euh, au laboratoire. Donc euh, euh, le rôle des vagues, c'est un truc euh, sur lequel on pense qu'effectivement il y a des choses importantes à faire, parce que euh, ajouter simplement la dérive de Stokes euh, euh, au courant océanique, c'est probablement euh, pas parfait comme méthode en tout cas, et qu'on euh, a des modèles couplés océan-vagues vague qui auront peut-être des résultats un petit peu plus un peu différents et plus intéressants. Euh, alors, comment on prend à, à en compte la taille des plastiques et leur flottabilité Parce que si les plastiques petit à petit se fragmentent, ben, ils changent de taille, ils ne sont plus affectés par la même flottabilité. Donc il euh, bon, va, va falloir suivre un certain nombre de classes de plastiques. Euh, bon, C'est fait euh, par, euh, par des gens, là, comme je dis à, à l'échelle globale. Les interactions avec la biologie, par exemple, tout ce qui est biofouling et reminéralisation. Donc là, il y a des gens qui ont commencé à, à travailler sur ces paramétrisations, mais en fait, c'est pas encore intégré dans des modèles complets à l'échelle globale qui ont fait tourner pendant des, des dizaines d'années. Euh, donc tout ça, il y a pas mal de, 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 de travail à faire sur l'amélioration de, de tous ces processus. Euh, voilà, donc le couplage avec les vagues, comme je le disais. Euh, alors, euh, voilà, et puis un dernier aspect que je voulais illustrer, euh, Christophe avait, avait aussi, a, a aussi parlé de cet aspect-là, c'est que, euh, oui, les plastiques, ils peuvent aussi nous apprendre des choses sur la dynamique océanique. Des fois, on se pose des questions qui sont, qui sont un peu générées par euh, la littérature sur les plastiques, et puis finalement, on, on en est à la fin, à, on va le voir dans sur cet exemple, à avoir des conclusions sur vraiment le, la dynamique euh, océanique. Quoi. Alors, euh, donc du coup, ça nécessite une petite introduction sur ce, sur ce sujet. Donc, les courants océaniques les plus intenses, euh, ils consistent en des tourbillons qui sont qu'on appelle mésoéchelles, qui sont omniprésents dans l'océan. Si on regarde une carte de courant de surface ou du niveau de la mer, en fait, on ne voit que ça des bosses et des creux qui ont une taille d'une centaine de kilomètres. Euh, C'est des surstructures cohérentes qui ont des durées de vie de plusieurs mois, voire euh, plusieurs années. C'est les anneaux du Gulf Stream, enfin sous cette euh, euh, zoologie-là. Euh, et il y a des tourbillons qui sont cycloniques, donc plutôt constitués d'eau plus chaude, et des tourbillons qui sont euh, anticycloniques, euh, qui sont, euh, je voudrais pas te faire de bêtises, euh, voilà, euh, <coughs> Et en quantité probablement à peu près égale. Enfin, hein, il n'y a pas d'énormes différences. Alors, l'analogie qu'on peut faire avec l'atmosphère, avec lesquelles on est peut-être un petit peu plus euh, familier, c'est euh, les dépressions euh, les plus intenses qu'on appelle euh, les cyclones. Euh, voilà. Euh, il y des vents de surface qui sont euh, à cause de la friction à la surface avec la rugosité de la végétation ou de la topographie, qui sont un peu plus convergents. Plus, ils vont plus de la haute pression vers la basse pression que les, courants, les vents à, je sais pas, à quelques centaines de mètres d'altitude qui sont plus géostrophiques, qui suivent les, les lignes de pression. Et donc, on a au milieu de, des dépressions une convergence des courants qui fait un courant ascendant au centre, comme par exemple dans le cas extrême, dans les tornades qui peuvent aspirer des toitures, etc. Alors, la question qu'on se posait là, c'était est-ce que les plastiques à la surface de l'océan, ils se concentrent donc flottant à la surface de l'océan, ils se concentrent plutôt dans les cyclones ou dans les anticyclones Il y avait un, un papier qui était sorti en 2018 à partir d'observations d'un bateau là, qui s'était promené euh, dans l'Atlantique la, euh, tropical et puis qui avait euh, croisé, euh, qui avait fait des mesures de concentration de plastique dans un. Euh, alors ça c'est une anomalie chaude du niveau de la mer, donc euh, une bosse. Donc ça, ça tourne dans le sens anticyclonique. Et puis ça c'est une anomalie froide et ça tourne dans le sens cyclonique. Et euh, ils avaient mesuré alors est-ce que c'était euh, voilà est-ce qu'à partir de si peu de mesures on peut vraiment conclure mais en tout cas ils avaient mesuré des concentrations de plastique là c'est ces mesures là de concentration euh, aux endroits où ils ont fait les mesures et puis ça c'est l'échelle de couleur en bas à droite. Et bien des concentrations plus importantes dans les anticyclones. Et donc on s'était dit, ben nous on a des modèles à assez de résolution qui doivent bien représenter à peu près tous ces processus là euh, qui sont euh, à la source de concentration dans les anticyclones ou, ou divergence dans les cyclones. Est-ce qu'on retrouve ça dans des modèles numériques Donc là où on peut faire des statistiques vachement poussées parce qu'on peut faire ces expériences dans tout l'Atlantique euh, euh, tropical. Euh, donc on, voilà, on avait une stagiaire de de Master 2 de là-dessus et on avait euh, initialisé des particules partout dans l'océan et puis on s'était rendu compte qu'en fait, euh, on trouvait exactement le contraire. On avait des concentrations plus importantes dans les cyclones que dans les anticyclones et donc du coup, c'était un peu compliqué parce qu'un modèle, c'est peut-être moins sûr, moins fiable que des observations et on avait essayé de chercher des observations qui permettaient de voir si on avait cette idée-là. Alors heureusement, on a une base de données assez importante euh, dans l'océan, je n'ai pas illustré là, qui s'appelle les Surface Velocity programme donc c'est des flotteurs Dérivant à la surface des océans, qui sont drogués, qui ont une espèce de, de cerf-volant qui est, qui est stabilisé à à peu près une dizaine de mètres de profondeur pour éviter qu'il soit trop soumis à la dérive du haut vent en surface, mais qui euh, qu se déplace surtout à cause des courants à, euh, à, une, à une dizaine de mètres de profondeur. Et donc, sur, sur cette base de données qui est de plusieurs milieux de flotteurs là, qui, qui durent depuis au moins une, une vingtaine d'années, euh, ben, c'était voilà, un collègue Clément Vic qui avait, avait analysé un petit peu si on pouvait euh, est-ce que ces flotteurs là en gros on les, retrouvait, on, les, on les distribue de manière un petit peu aléatoire dans l'océan en fonction des campagnes en fonction des missions euh, est-ce qu'ils se retrouvaient plutôt dans les anticyclones ou les cyclones on peut se dire que c'est un peu l'équivalent des particules plastiques mais à plus gros échelle et puis on a leur position en fonction du temps et puis en fait euh, surprenamment euh, en, en quelques jours de travail il a, il a vu que on avait exactement les mêmes résultats dans cette base de données euh, qui était le, le nombre de, de flotteurs dans les cyclones, il était à peu près une trentaine de pourcents plus important que dans les anticyclones, ce qui était exactement les résultats qu'on avait dans le modèle numérique. Du coup, euh, voilà, ça bah voilà, là, c'est un papier où, en gros, il n'y a pas mention de plastique, mais la raison d'être du papier, c'était quand même des questions qu'on se posait sur euh, les plastiques euh, à la surface des océans. Et, et donc, en fait, euh, ça a montré qu'il y avait un phénomène à probablement de convergence euh, voilà, dans, dans les cyclones, euh, et Plutôt de divergence dans les anticyclones. Alors, l'intérêt du modèle numérique, là, c'est que ça nous a permis d'avoir des idées un petit peu sur la raison d'être de ce comportement qui était vraiment lié euh, à la formation euh, des cyclones à partir de, de structures euh, qu'on appelle des fronts sous-mésoéchelles qui convergent sur, qui concentrent les. les voilà, bon, on ne va pas rentrer trop dans le détail, là, ça dépasse un petit peu euh, l'approche purement statistique. Euh, voilà, et donc bah, j'en ai fini. Euh, en gros, euh, en conclusion, bah, je pense que moi, moi, pour moi, tout ça, c'est un problème assez complexe par euh, la diversité euh, des sources, euh, des types de particules, euh, des processus, de l'interaction avec la biologie, etc. Euh, on a un vrai problème sur euh, le réseau de, voilà, d'observation qui ne nous permet pas encore, je pense, voilà, d'apporter des conclusions. Euh, euh, définitive sur euh, bah, l'intensité des sources, euh, quel processus il faut prendre en compte, etc. Alors on peut espérer que des mesures aéroportées euh, avec identification déjà des macroplastiques par reconnaissance automatique d'image, ça se fait déjà hein, dans le Pacifique Nord. Euh, Peut-être qu'un jour ou l'autre on arrivera à faire des choses comme ça. En tout cas, il y en a des gens qui y travaillent euh, par satellite. Euh, alors au niveau modélisation, ben, avec le lagrangien, on peut tester un petit peu quels sont les courants. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme contribution dans les courants qui déplacent les particules Mais il euh, y a probablement euh, plein d'autres processus à mieux modéliser et paramétriser. Euh, on essaye de tester, nous en ce moment, euh, d'avoir de, bah, de, des approches type Eulérienne, telles qu'elles sont faites hein, pour le moment à plus basse résolution, dans des modèles à plus haute résolution. Et on voit qu'effectivement, le mélange vertical, euh, typiquement, il a une importance assez importante, en tout cas sur les particules neutres. Maintenant, il faudra voir pour des particules plus réalistes qui flottent, enfin, enfin en tout cas pour les particules flottantes. Parce que voilà, la couche de mélange océanique, c'est quand même euh, au niveau euh, des propriétés euh, température et sanité de l'océan, c'est vraiment euh, très très important. Euh, voilà. Et puis, euh, en tout cas, on a besoin de, on a besoin de, de pouvoir mieux paramétriser le comportement des plastiques. Et je pense que dans ce sens, il bah, y a des travaux là au laboratoire de de, 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 de Camille Richon qui travaillait sur la, voilà, qui faisait des mesures de vitesse verticale de vraies particules plastiques usagées dans des espèces d'éprouvettes géantes. Et ça. Ben ça, je pense que c'est le genre de, voilà, de mesure, en tout cas de, de paramétrer. Enfin, on va avoir besoin de ces chiffres pour avancer sur le côté amélioration des modèles numériques pour euh, la prévision des plastiques dans une approche un peu plus tridimensionnelle. Et j'en ai fini et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Thierry. Euh, on va prendre les questions des questions, des remarques. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Je... Est-ce qu'il y a des questions dans, dans le public Oui, Pierre. Merci, Thierry, c'était super, super intéressant et euh, finalement euh, très complémentaire avec euh, ce que disait Christophe euh, précédemment. Et euh, J'ai bien aimé le, le, la dernière, euh, les dernières slides que tu montrais sur le fait que finalement le... Euh, le fait de travailler sur des, les plastiques ont fait émerger aussi des questions euh, scientifiques liées à l'océanographie euh, et, euh, et ces histoires d'accumulation dans, dans les cyclones, enfin euh, dans les, euh, les tourbillons cycloniques ou, en, en, ou anticycloniques euh, et du coup je me... Donc, je, je, si j'essaye de, de résumer euh, ce dernier résultat -là, euh, de, de votre papier là, euh, dans GRL, vous dites que euh, donc, il y a une accumulation dans les tourbillons cycloniques, c'est ça Mais que oui. dans l'article, c'était l'inverse, l'article sur les données in situ. Et euh, est-ce qu'il y a eu d'autres articles récents euh, qui, qui, qui contredisent peut-être le, le, cet article lié aux données in situ qui, qui montrait l'inverse de ce que vous trouvez, vous, sur les simulations Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je, je pense que ça me serait... Enfin, je l'aurais vu, mais en fait, on ne peut jamais... Il y a... La littérature, elle est tellement importante et dans, toutes les... dans un nombre de journaux faramineux là, sur les plastiques, je, non, je ne sais pas. Alors, en général, euh, s'ils avaient cité notre papier, on devrait être au courant, mais euh, voilà. Christophe, moi, je... je ne sais pas. Moi, je n'ai pas eu genre d'études. De... Dans ce de... sens-là, non. non, mais dans l'autre sens, oui. Il y a une étude récente de... sur la physique, de... dans Fluide Physique, la Fluide Physique, Enfin, de, du groupe de Guillaume, de, de, Guillaume Laperre, je crois, de, de Paris, qui a montré, qui qu va plutôt dans l'autre sens, en disant qu'effectivement, il y a des mouvements agéostrophiques de petite échelle, de submésoéchelle, échelle qui sont dans, plutôt dans les structures en fait, cycloniques, et qui arrivent en fait, avant, et qui donnent, donnent une explication plus physique que ce qu'on avait, nous, à laquelle on était arrivés. Quoi. Ok. Et ça me fait penser qu'il y a des gens, je me souviens avoir vu des études comme ça, alors qui regardaient pas les plastiques, mais les les, euh, euh, les accumulations de de, de chlorophylle euh, dans les euh, sur les images satellites euh, et qui voyaient euh, euh, qui euh, ce genre de choses en fait sur les. Je me souviens, ils avaient fait des statistiques sur les tourbillons euh, cycloniques et anticycloniques et ils voyaient, euh, euh, alors ils voyaient dans quel sens euh, c'est. Euh, bah comme vous, je pense une accumulation dans les cycloniques, non C'est ce qu'on peut voir, euh, ce qu'on peut voir, non Je pense euh, en, en termes de chlorophylle par satellite. Bon, bref. Et, et euh, en fait, j'avais une question. C'était euh, euh, donc Christophe a pas mal insisté sur euh, l'effet des, des courants. Euh, sur la dérive et, et là, euh, comment, Thierry montre aussi qu'il y a l'effet des, des vagues. Est-ce que vous êtes capable à la louche de donner un, un, un espèce de pourcentage sur, euh, euh, sur l'impact du courant et, de, et des vagues dans, dans le déplacement des, des, des plastiques Alors, Ce qu'on qu peut dire peut-être avant, avant de... Je n'ai pas l'ordre en tête. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à présent, la communauté servait beaucoup d'une méthode additive. C'est-à-dire, ce qu'on avait fait au tout premier, à l'étude par exemple en 2019, où on prenait l'effet des courants plus l'effet de stokes, plus l'effet des marées éventuellement. C'est ce qu'on a fait en Indonésie. Et, 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 et ça, ce n'est pas très satisfaisant physiquement parlant. Et du coup, on a aussi mis quelqu'un… Il y a eu un stage qu'on a eu sur donc, des approches plutôt couplées entre vagues, vents et courants. Qui permet d'avoir une répartition finalement de l'énergie dans les trois compartiments beaucoup plus euh, physiquement intéressante. Et, euh, et ça, c'est un petit peu ce qu'a montré à un moment donné Thierry, là, une des images, euh, mais il n'a pas montré de résultats. Euh, un, un résultat qui nous avait paru intéressant, c'était de montrer qu'avec, quand on mettait l'effet de Stokes dans ce couplage, donc entre le vent, les courants et les vagues, on avait euh, plus d'accumulation en surface au niveau des girs alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il y, qu y en ait moins. Quoi. Donc ça, et, et ça, je pense que pour l'instant, c'est typiquement des, des choses qu'on n'a pas encore très bien compris. Quoi. Okay. En fait, il oui. y a pas mal d'aspects. Hein, euh, le, 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 la méthode additive de la dérive de Stokes, en fait, le problème, c'est qu'elle génère des tas de courants proches des côtes qui, sont, euh, qui vont aller euh, pousser les particules à la côte. Si tu fais ça en 2D, eh ben, tu entre guillemets, tu perds beaucoup plus de particules à la côte qui sont euh, collées à la côte par euh, les, 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 euh, les, les houles euh, qui, arrivent, voilà, qui arrivent à la côte. Et donc ça, c'est un problème. Dès qu'on fait du 2D, euh, donc, qui n'est pas très propre, en ajoutant de manière pas très propre les courants, ben, potentiellement, on va perdre beaucoup plus de particules. En 3D, normalement, euh, on ne fait pas monter le niveau euh, de manière euh, euh, tant, permanente à la côte. Par l'apport de, de masse, cet apport de masse, il repart d'une manière ou d'une autre. Et donc, euh, en fait, faut, faut, voilà, faudrait être un petit peu plus cohérent sur la manière de faire. Et là, les conclusions risqueraient d'être un petit peu, euh, un petit peu différentes. Mais, mais si tu veux, si on mettait que la dérive de Stokes pour répondre un petit peu à ta question euh, chiffrée, on peut, on peut pas euh, advecter des particules que par la dérive de Stokes. Je pense que les résultats seraient vraiment très très différents de ce qu'on voit en réalité. Par contre, c'est une correction vraiment significative du courant de surface et euh, voilà, donc je dirais trois quarts, un quart peut-être, quelque chose de, de cette idée, mais c'est vraiment loin d'être négligeable. Enfin, statif, enfin voilà. En, en valeur absolue, les, ces courants-là, ils sont assez importants. Après, les, les, en direction, ils ne sont pas extrêmement différents. Ils, ils sont peut-être à 45 degrés, enfin en moyenne de le, du courant de surface habituel. Donc tu le corriges un petit peu. Par contre, du coup, bah, les zones de convergence, elles ne sont pas exactement pareilles. Et pour revenir okay. à ta différence cyclone-anticyclone avec la chlorophylle, ce n'est pas dit que ce soit les mêmes processus. Parce que nous, où on piège du plastique en surface, c'est là où les courants convergent en surface. Mmh. Mais la chlorophylle, elle, elle est aussi alimentée par le poiling de nutriments. Okay. Et le poiling de nutriments, il est fait là où les courants de surface ils vont diverger. Et donc, tu vois, enfin, voilà. Ouais. Et c'est pas dit que la réponse ce soit, euh, on peut pas. En fait, c'est pas de la chlorophylle. Enfin, tu vois, c'est une particule. Nous, c'est une particule passive. La chlorophylle, c'est une particule active avec une vie qui ouais. dépend de de nutriments que dont les plastiques se foutent, quoi. Voilà. Euh, oui, t as, t as bien fait de, de me reprendre là-dessus. Ok, ok. Et euh, là, ce que je comprends bien aussi, c'est que euh, en fait, il euh, y a tout un. Maintenant, il va falloir mettre en lien les. Euh, les, les océanographes, avec, enfin, les gens qui font de l'océanographie physique avec des, des biologistes parce que euh, j'ai du mal à, 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 en voyant vos présentations à voir le, le, disons peut-être le pourcentage de plastique qui, qui aurait pu être ingéré en fait par, euh, par, euh, par différents, euh, différentes choses et, et est-ce que vous avez une idée de ces choses-là ou alors est-ce que c'est vraiment une question ouverte euh, ou j'ai peut-être mal suivi, vous l'avez peut-être dit. Je ne sais pas si Camille est dans l'audience, mais personnellement, je n'ai aucune idée. Là, je, ça dépasse mon, mon domaine de compétence. On okay. peut en discuter à l'occasion. Elle est dans le bureau en face. Hein.